Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo spéciale. Ça va être une longue vidéo. Aujourd'hui, on va visiter un peu tous les quartiers de Bordeaux. Dans chaque quartier, il y aura quelqu'un qui va nous... Un mec de ce quartier-là, il va nous accompagner, il va nous présenter le truc. On va faire un peu tout le tour de Bordeaux. Désolé s'il y a des oublis et tout, on ne peut pas faire non plus tous les quartiers de Bordeaux. Mais voilà, on va en faire une bonne partie. Je vous présente ça tout de suite. On va... Eh wa, hein? Quand je ne parle pas de poignée de zin. Vraiment, ma bata ou fait. Alors là, du coup, pour la suite de cette vidéo, on est en direct de Solès à Blanquefort avec Théro du 43 LDT. Ça va ou quoi, mon gars? Ouais, tranquille, toi. Ouais, on est là toujours. Hein. C'est où? Là, on est où dans Bordeaux exactement? Là, on est à Blanquefort, une petite commune là de. Petite 20 milliers d'habitants et voilà, hein, tranquille. Vas-y, du coup, je te laisse un petit peu nous présenter tout ça, je vais te suivre un peu. Tu vas me montrer. On est à Solès, un petit quartier de Blanquefort. Vas-y, je te laisse me suivre si tu veux. Vas-y, du coup, ça fait combien de temps toi, t'habites ici? Moi, depuis tout petit, hein, depuis que j'ai 3 pieds, je suis là. Et voilà, c'est carré. Hein. Ok, bien vu. Ouais. Y a d'autres rappeurs ici à part toi ou quoi? Ben ici, du coup, y a ceux de mon groupe, là, du 43 LDT. Il y a Mirsa, il y a Lox, il y a Will et il y a La Cassure. Après sinon, dans Blanquefort même, il y a Bulter et Maxwell. Ouais, bien vu. Hein. Ouais, ils sont très très bons aussi. Et du coup, c'est comment dans le quartier? Il se passe quoi ici, pour ceux qui connaissent pas? Je te laisse un petit peu nous... Bah, franchement, ça va, c'est un petit quartier tranquille, hein. Il y a du monde. Ça traîne plus au city. Et voilà. Et sinon, il y a du monde, hein. Il y a beaucoup de communautés, de mixité ici. Plusieurs nationalités différentes, il y a un tas de personnes. Ça se mélange, c'est mixte, on va dire, tu vois. Ouais, il y a quoi comme nationalité un peu ici? Il y a tout, hein. Il y a Nord-Africain, Africain, Maghrébin. Il y a des Asiatiques, il y a de tout, hein. Comoriens, Sénégalais, Guadeloupéens, Ivoiriens, Camerounais, il y a de tout en vrai. Il y a des Maghrébins, des Turcs, tout. Ah ouais, bien vu. Tout ce que tu connaître. Et c'est comment? C'est le seul quartier à Blanquefort ici ou quoi? Enfin, il y a peut-être d'autres quartiers dans la ville. On va dire que c'est le seul gros quartier avec Curigan, on va y passer, ben vas-y, sinon. Et voilà. Okay, bien vu. C'est un petit quartier, on va dire. C'est un grand quartier pour une petite ville. Comme Blanquefort. Ok, je vois. Ça, on peut dire ça comme ça. Si tu bouges, on te couche. Personne fait de boxe. Ça fait aïe. Et du coup, c'est comment là, l'endroit où tu nous amènes? C'est pas. Enfin, c'est divisé un peu le quartier, non? Ouais, c'est un peu divisé là. Là, on est sur Solès même. Et là-bas, je vais t'amener, on sera sur Curigan. Là, il reste encore. Quelques 2-3 bâtiments et on sort de Solès. Là, je vais te ramener à Curigan, le quartier voisin. Ok, ça marche. Ouais. En plus, j'ai vu l'autre côté, il y a genre un château, non? Un truc comme ça, là. Ouais, à la sortie ouais, du quartier. C'est en dehors du. Ouais, ce que j'ai... Ouais, il me semble, on le voit en plus. Loin, quand c'est par là-bas. Ouais, c'est par là-bas. Ouais. Et c'est comment ici, niveau. Tu m'as dit, un city. Ouais, niveau sport, structure et tout, il y a des trucs ici ou quoi? Ouais, franchement. C'est une ville sportive, hein, Blanquefort, je te mens pas. Là, il y a... Dans pas longtemps, il y a une association en futsal qui a s'ouvrir, là, à la rentrée. D'ailleurs, j'en fais partie. Il y a plusieurs clubs. Il y a du foot, du handball, tout, natation, handisport. Et après, il y a aussi du street workout. Ouais, ça, j'ai vu qu'on a pas mal ici. Ouais. Voilà, ici, en... Ici, grâce à Dieu, on a réussi à sortir un spot en street workout. Parce qu'avant, c'était un truc de bien-être. Et voilà, hein, franchement, on y passera tout à l'heure après si t'es chaud. Et voilà. Vas-y, y'a pas de souci, tu nous montreras ça du coup. Ouais, bien sûr. Et il y a des sportifs peut-être qui sont sortis du quartier ici ou...
Ouais, il y a du sportif, hein. Franchement, il y a... Alors après, les plus grands, tu vois, les... on va dire c'est des fouteux. Comme Valbuena, mais bon. Et c'est, voilà. Ouais, c'est il est un cas fort, à part. Il est de Blanquefort, je me rappelle. Et celui-là qui se démarque vraiment dans Blanquefort, c'est le poteau Eddy Lacrosse. Ouais, lui, c'est quoi comme sport, du coup, exactement? Lui, c'est de la boxe anglaise. Boxe anglaise, ouais. Et il a fait des sports de combat comme le K1, le full contact, où il a été champion du monde. Boxe anglaise, champion de France. Récemment, malheureusement, il a perdu son titre. Mais après, voilà, sinon, voilà, c'est lui qui se démarque le plus. Après, il y a d'autres sportifs, mais ils sont pas trop mis en lumière, malheureusement. Ouais, parce que justement, Eddy Lacrosse, vous avez fait un son sur lui, non? Ouais, c'est ça. Ouais, il est dans le clip, non, même? Ouais, il est dans le clip, ouais. C'est entre LDP et Eddy Lacrosse, il est dans le bail. Et ouais, à part ça, dans la ville, pas forcément ici au quartier, mais il y a peut-être club de foot, basket, quelque chose, non? Ouais, il y a plusieurs clubs, hein. Il y a tous les sports que tu puisses connaître, en passant par le handisport. Il y a du foot, il y a du volley, du handball, du futsal, qui vient d'ouvrir récemment. Il y a tout, vraiment tout. Et ouais, du coup, ici, c'est le côté Curigon, c'est ça? Ouais, ici, il y en a Curigon. Ok, bien c'est vu. Là où on traîne, tu vois. Et justement, les autres rappeurs, là, Maxwell, Belter et tout, ils sont de quel côté de Blanquefort? Maxwell, il est collé au 43 LDT. Il est entre Soleil et Curigon. Et Belter, il est... en ce moment-là, il est sur Bordeaux. Mais de base, il est dans le centre de Blanquefort, lui. Ok, c'est pareil. Après, ils sont toujours là, quoi. Big up, t'as vu? Ouais, c'est ça, big up, bien sûr. Et je vois ici, vous faites des barbecues tout l'été, non? Ouais, ouais. Déjà, je vois des trucs sales sur Insta et tout, barbecue, sale et tout, il y a tout le monde. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est des sales barbecues. Là, en ce moment, mes gars, là, ils sont à la plage, tu vois, ils se la coulent un peu douce. Et puis, la plupart, ils sont en vacances, mais sinon, il y a du monde. Ok, ça va, c'est carré. Pas... Et ouais, tu m'as dit la plage. C'est pas à côté non plus, on va dire, de Bordeaux, même si c'est pas trop loin. Ouais. C'est comment ici, vous y allez de temps en temps à la plage ou quoi? Ouais, souvent, franchement, souvent. D'ailleurs, quand on y va, c'est en équipe, tu vois. Ouais, normal. De Curigon. C'est ça, Curigon, ici, du coup? Ouais, ici, c'est tout... Depuis qu'on a sorti de Solès, tout ici, c'est Curigon. Ok, ok. Voilà. Et les clips, vous faites ça plutôt côté Solès ou plutôt ici? On fait plutôt Solès côté Curigon, parce que Solès, c'est un peu cramé. Ah ouais, ouais. Là, ici, on va dire c'est mieux pour tourner. On est moins embêté. Ouais, je vois le délire. Ouais, ça casse les couilles un peu les voisins et tout qui. Quand tu vois les clips, les trucs comme ça ici ou quoi? Ouais, ils sont vénères de fou après. Ouais, comme partout, hein. Ouais, c'est ça. Et sinon, ouais, ça fait plus d'un an là depuis la première interview. Ouais. Est-ce que tu peux parler un peu de ce que vous avez sorti depuis? Depuis, on a sorti le son de Petite Bouche. Ensuite, on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait par la suite? On a fait Bienvenue au 43 LDT. Et là, on va s'apprêter à faire un son en hommage à un pote ami qui est mort. Et Injustice. Parler des problèmes de justice. Saluer les frérots. Et voilà. Et ouais, du coup, le 43 LDT, c'est un endroit du quartier, non, à la base? 43 LDT, c'est en gros c'est la rue de Solès où on est passé. Enfin c'est Solès quoi. C'est Solès et en passant par ici, Curigon, et ça coupe au niveau du collège. En gros c'est Solès Curigon. Okay, et si tu préfères 43 LDT, 43 rue de l'Atte de Tassigny. Ah ouais, voilà. Ouais. Tiens, il est là le fameux City alors. Pour ceux qui se souviennent, c'est là qu'on a fait le premier interview du 43 LDT. Alors du coup là c'est le coin street workout. Voilà, c'est ça, exactement. C'est là où on vient se saigner au sport. Et là, d'ici 2 heures, il y a mon groupe street qui va venir, bel crew Blanquefort. Et c'est comment ça s'est formé, comment le crew en fait? En fait, le crew, le délire, c'est qu'il y avait. Il y en avait qui faisaient déjà du street, d'autres qui étaient à la salle. Enfin, après, voilà, c'est. On s'est réunis, chacun s'entraînait de son côté, on a fini.
On a décidé de tous se réunir pour former un groupe et s'entraîner tous ensemble, tout simplement. C'est comment? C'est vous qui avez essayé de convaincre la mairie et tout pour placer ça, non? Voilà, c'est ça. Là-bas, tout ça, ça n'était pas. C'était un truc espace bien-être. Il n'y a que ça qui est resté ici. Et en fait, si tu préfères, on a fait une séance, une démonstration de remise des trophées dans ce gymnase là-bas. Au complexe. Pour les sportifs de la ville de Blancfort. Et du coup, après, grâce à ça, on a réussi à appuyer un peu les gens pour leur pousser à dépasser leurs limites. On a fait des demandes auprès de la mairie pour monter une vraie structure de street workout. Et voilà, ça s'est fait. La cage, elle est arrivée. Les barres parallèles aussi sont arrivées. Du coup, il n'y a que ça et ça qui sont restés. Et voilà. Et un peu plus haut, l'espace bien-être s'y est installé. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi, en quelques mots, le street workout? En quelques mots, c'est un sport qui se pratique dans la rue. Et si tu préfères, c'est beaucoup de poids du corps. C'est-à-dire, il y a la partie, tout ce qui est freestyle, on fait des figures, etc. Ça, c'est la partie chaud, si tu préfères. Et puis, il y a la partie banale, hein, des pompes classiques, traction. Après, ajouter à ça des gilets de lestage pour se soulever en plus lourd. Et voilà, tout simplement. Ok, c'est carré. Pour en revenir un peu au rap, il y a des projets pour le 43 LDT bientôt? Là, des clips, quelque chose? Pour le 43 LDT, là, on est un peu en stand-by parce qu'on avait plein de projets, mais c'était sportif. Donc là, pour le moment, c'est un peu en stand-by et on espère vite sortir le clip Injustice et l'hommage pour notre pote disparu il y a 2 ans. C'est ça qui grave, on se prend pas la tête. C'est Rocky, déjà ça défonce à la tête. Silence des bad boys, finance des bails sales, pillés comme mal qu'on le vit à la traite. On t'était, on vient pas chez nous. Billy au garo, ma, ça prend pour la fume. Y'a les baquets au Jekar, on esquive. Bah ouais, chacal, on esquive. Alors, du coup, pour continuer un peu là, ce tour des quartiers, je suis en direct de la Benauge avec mon gars Famas. Bien ou quoi? Bien, tranquille, ça dit quoi, les gars? Ah, on est là, hein. Vas-y, déjà, je te laisse un peu nous dire, on est où là, sur Bordeaux exactement? Là, on est quartier Benauge, Guéry, tout ça. 3300, tu connais, c'est la zone. Vas-y, on peut faire un petit tour aussi pour voir un petit peu comment ici, hein, je te propose. Vas-y, c'est carré. Donc, on est vraiment. Ouais, on va faire le tour en entier. Ouais, on va voir un petit peu. C'est comment, il y a d'autres rappeurs ici? Rappeurs ici, plutôt vers les autres bâtiments de la Benauge aussi. Bâtiment là-bas, tu connais, il y a des sahabas, moi, il y a Alvin Labenoche, il commence à rapper aussi, Force Ali aussi. Et voilà, tu connais, il y a 2-3 rappeurs, ça commence à venir comme d'hab. Ok, c'est carré. C'est grand un peu ici comme Tchex ou? Ouais, des fois, ouais, c'est grand parce qu'il y a des autres bâtiments là-bas, mais la rue s'allonge en fait. En fait, c'est l'allée, t'as compris. Ouais, je vois le délire. Ouais. Et c'est comment, ça fait longtemps que t'habites là ou quoi? Ouais, ça fait déjà... Wow. On va dire depuis 2015 comme ça. Ah ouais, au calme. Hein. 2015. Ok, c'est carré. Hein. Chacal. PKL. Putain les mecs, c'est pas blanc. Putain. Prends-moi du monnaie, ressens le choc. Et si tu pars de moi, bâtard, tu verras. On t'allumera, gros bâtard, comme Mera. Fais pas le ouf dans mon check, ce n'est Al. Casse qui goûte sur la tête. Plaqué de chi sur la table. Tu veux chose que c'est par Al. Wanda Moussa, on est Al. Et c'est comment ici dans le quartier? On retrouve quoi comme nationalité un peu là? Ici là, comme des origines. Ouais. Ici tu peux trouver des Algériens, des Français, il y a du tout presque. Ah ouais. Il y a toutes les origines presque. Et les autres rappeurs d'ici, il y a déjà des clips qui se sont faits ici ou quoi? Ouais, il y a déjà de la Benoît, ils ont participé pour des clips ici. Ils sont venus ici, ils ont fait quelques clips et voilà. Ouais, au calme. Ça n'a pas été voir encore, ils sont pas encore venus, ça. Pas tout mis ça sur internet encore. Ouais, je vois le délire. Et toi, c'est comment tu te poses où d'habitude au quartier? C'est où les endroits les plus posés un peu du check? Soit je suis sur la chaise devant là, et soit tu peux voir même derrière là où on était là-bas. Ah ouais, au tout début là? Ouais. Là où on est. Après, des fois le soir, tu peux nous voir à ça dans la cave aussi. On est tout le temps là, tout ça. Et c'est comment, ouais?
Niveau Condé et tout, c'est comment ici? Niveau Condé, vu qu'il y a des travaux, c'est grave chaud un peu des fois. C'est grave chaud des fois. Là, tu vois, il y a Ousmane là-bas. Ça regarde au calme. Il a capté le délire. Voilà, il y a des autres, ils sont là à poser, tu connais. Du quartier, tu connais. Ouais, c'est carré au calme, hein? Ouais. On va aller voir, je pense qu'ils sont là-bas, là, les autres. Ouais, on va aller voir un petit peu. Ouais. Et du coup, c'est comment toi avant d'habiter ici, t'étais où toi exactement? Moi, avant, j'habitais vers la gare là-bas quand même. Ah ouais? Après, je suis venu ici, voilà, tu comprends. Ah, au calme. Hein. Et vas-y, du coup, pour ceux qui te connaissent pas d'ailleurs, t'as pas dit un peu. T'étais qui comme rappeur et tout? Je te laisse un peu expliquer tout ça. Ouais, moi, je suis rappeur de Bordeaux, je connais. Ça vient de Kiri, je connais. 3300, ça faisait depuis 2010, 2015 un peu, c'est pourquoi j'ai rappé, t'as vu. Après, vas-y. Avec tous les gens qui continuent à rapper derrière, j'avais fait une petite pause, t'as vu. Ok, ouais, toujours pour reparler du checks un peu là, comme c'est le thème de la vidéo. C'est comment au niveau sport et tout à la Benoît? T'as des city, des stades, des trucs comme ça ou quoi? Ouais, il y a même des city ici, il est au fond là-bas, au fond de la rue. Il y a même, il y en avait un derrière là, mais tu vois, ils ont construit des bâtiments là devant. Ok, c'est carré. Puis il y a des gars qui ont pu percer dans le foot, dans le, je sais pas, dans la boxe, dans des sports comme ça ou quoi, ici? Franchement, c'est qui? Il y a quelqu'un qui a percé ici en boxe ou? Avec Vital. Ouais. Vital, il est en Ligue 2. Ah ouais, c'est carré, voilà. Rentre à Bordeaux, c'est tourbouillant, négro. Dans le pôle, y'a le colis. Tu bouges d'un bout, c'est la folie. On t'a vu, certes, mais va, c'est dégal. Ne ramène pas les bleus dans mon checker. J'ai pas. Le bâtiment, on est là, Manu. Bouge le secteur. Le chapeau de paille, il est là. En bas, c'est les Condés, c'est le soir qu'il peut arriver. C'est le soir, les keufs, ouais. Le soir, ils arrivent. Et c'est comment? Ouais. C'est trop rare. Et moi, il y a des travaux, c'est rare. C'est comment mon rêve? Tu rappes pas, toi? Moi, si, des fois, je kick un peu. Des fois, un peu, ouais. Je fais des trucs un peu. T'inquiète, bientôt, on va faire un petit son aussi avec lui. Ça va sortir. Ah, c'est bien, c'est carré, ça. T'inquiète, ça va sortir aussi. Des fois, tu peux nous voir poser tout par ici, là. Ouais, toi, t'habites de quel côté un peu ici, toi? Moi, de côté là-bas, là où on est passé direct. Ouais, le bâtiment d'avant, ouais. Ouais. Et sinon, on est posé tout le temps ici ou sur la place direct. Au calme, ici, au calme. Tout se passe, les transactions, tout. Tu vois, c'est pas sur les. C'est pas là-bas, là. Tout se passe ici, tu connais. Ok, c'est carré. Du coup, pour ceux qui veulent te rejoindre, t'as des Snap, Insta, ouais, quelque chose? Moi, j'ai toujours le même code. De toute façon, il y a Snap, c'est Famas 3310. Et Facebook, c'est Famas Giri. Et Instagram, c'est BKL-Famas-3300. Ok, ça marche. Merci à toi, mon ref, en tout cas. Y a pas de soucis, force à toi, on est ensemble. 33-0, 33-0, 33-0, 33-0, 33-0. J'ai qui sous doré, connu de tout le monde comme Dora. À la maison, je voulais tout redécorer. De Monda à la Madrid, et même te le dira. On a la mentalité en acier. T'arrêtes pas si y'a la BAC. Derrière les sous et pas les jupons. Mec, nous lâche pas comme Alain Juppé. C'est à police voleur qu'on a compris qu'il fallait pas se faire péter. Je te l'ai déjà dit, nous, on a peur de Dieu, pas d'une cité. Cite pas mon blaze ou ton nom, je vais citer. Alors du coup, mon gars, on est dans quel quartier là exactement? On est à Saint-Hilaire-Lormont, tu connais. Ouais, là, c'est la zone. C'est ça? Vas-y, pour ceux qui te connaissent pas, tu peux te présenter un peu, mon gars? Moi, c'est la KS de la 4B, tu connais. Je fais du rap avec un mec de Beg, Nesco, et un mec de Carré. C'est Bakouk. Et voilà. Vas-y, on va faire un petit tour au quartier. Déjà, on est où dans l'Ormont là, en fait? Là, on est dans Saint-Hilaire, dans l'allée de Saint-Hilaire, tu connais. Là, on est en bas des tours, là. Je vais te faire visiter un peu après, à 2 minutes. Vas-y, c'est un gros quartier, non, un peu ici? Ah, ou... oui, tu connais. Ouais. Ah ouais, c'est la cité, là. Ouais, ça fait combien de temps que t'habites ici, mon gars? Voilà, ça fait 3 ans. 3 ans, ouais. Ouais, 3 ans. Ok, au calme. Ici avant, il y avait les jeux et tout. Ouais, ouais. Un grand jeu, toboggan et tout. C'est comment, t'habites où dans le quartier toi exactement? Moi j'habite derrière. Derrière, ouais. Au calme, là y'a quoi? C'est épicerie, des trucs comme ça ou quoi ici? Ouais, là c'est merveilleux. Maria Copacabana, éviter la vendetta, maman. Pourquoi tu es si loin de moi? Ici c'est la de merde dans le passé. J'ai dû faire des choix que aujourd'hui je regrette. Au quartier pour s'en sortir, c'est la bibi, le rap ou le fou. Je veux Maria Copacabana, éviter la vendetta, maman. Pourquoi tu es si loin de moi? Du coup, c'est comment? Y'a d'autres rappeurs ici à part toi ou quoi?
Genre, ici, là, il y a des mecs qui font des textes, vite fait, mais il ne rappe pas. Bilou, il fait des textes. Ah ouais? Mais il rappe pas. Et c'est comment? Dans l'Ormont, il y a d'autres rappeurs aussi ou quoi? Il y en a. Je te tiens. Moi, je connais pas trop, t'as vu? Sinon, il y en a. Il y a des projets ou quoi pour la suite? Ouais. On va faire l'équipe, on va sortir l'équipe là pour la rentrée, oh, on verra. On fait un album ou quoi. Je recherchais ce qui m'avait. Ça dépend des autres, hein. Vas-y. Hein. Moi ici c'est la de merde dans le passé. J'ai dû faire des choix que aujourd'hui je regrette. Au quartier pour s'en sortir, c'est la bibi, le rap ou le foot. J'en ai rien à foutre, je sais pas écouter. J'ai mis mes écouteurs et laissé la musique. C'est le beau gosse du quartier. Ah ouais, ouais. Et lui aussi dans la tour. Tout ce qui est filmé, voilà. De quoi moi? Les beau gosse du quartier. Oh, de quoi moi? Pourquoi tu parles? Ma gueule! On est sur RMP! Y'a Ali Tsenchi! Aïe aïe aïe, Guilhem, Bloumou! Ah, plat plat plat, non, non, Tsenchi, il est là! Y'a BFM là! Et c'est comment les clips? Ils se passent un peu au quartier ou vous faites ça où en fait? Bon, là, je vais faire peut-être un solo, je vais clipper ici. Parce qu'on a trois quartiers différents, tu connais, du coup, c'est chaud un peu pour les. Ouais, ouais. Mais bon, là, je vais voir. Là, je vais faire un son et je vais m'occuper ici, on verra. Ok, c'est carré. Sinon, dans le quartier, on retrouve quoi comme nationalité, là, comme origine? Il y a de tout. Il y a de tout, ouais. Il y a de la Guadeloupe, il y a de l'Algérie, Maroc. Sénégal, Maroc, et les Turcs. Ah, c'est carré, des... carré. Et c'est comment, ça va... À part les trois tours, là, ça va jusqu'à où, un peu, Saint-Hilaire? Ouais, là. C'est là-bas aussi. Vas-y, je vais te montrer. Vas-y, 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 je te suis, gros. Et laisser la musique me bercer. Tous des mythos avec eux, je peux pas converser. Je peux pas converser. On se barre en holiday, direction Coca-Cabana. Toujours bien sapé. Et ouais, les Condés d'ailleurs, ils zonent ici ou quoi? Ouais. Normal, hein? Ouais, là, ce qu'on dit, et tout, hein. Ah ouais. Mais là, au calme, là, c'est calme. On est dimanche, tu connais. Y'a pas tout le monde. Carré, carré. Et c'est comment? Ouais, tout à l'heure on parlait de foot, sport et tout. C'est comment? Il y a des city, des trucs comme ça au quartier, ouais, ou quoi? Le quartier il est long. Le quartier il est long. Puis toi là, on est que en bas des tours. Je vais te montrer là où on bloque des fois au Blue Moon. Merci. Et après, si tu veux aller plus loin vers le city, c'est la ramade. Si tu veux, on va y aller après. Après, je vais te montrer. Hein. C'est comment ça? C'est Blue Moon? C'est Blue Moon. Ah ouais. Bon, après, tu connais, ça fait pas longtemps que je suis là. Enfin, j'habite depuis 3 ans, mais je bloquais pas encore, t'as vu? Ouais, ouais. Et là, après, depuis que je suis là, tu connais, ça bloque ici, au 3 tours, à la ramade. T'étais où avant, toi? Moi, je traînais à Carrier. Ouais, Carrier aussi. C'est ouais. À côté, hein, de toute façon. Après, c'est à côté, t'as vu? Ouais. Mais comme maintenant, je traîne où j'habite, t'as vu? Ouais, Carrier, normal, normal. Hein. T'as vu. Après, là, c'est Blue Moon, tu connais. On se pose là, là, dans les escaliers, chicha, tard le soir ou pas, t'as vu? Ouais, au calme, hein. Bah après on connaît, là, comme je t'ai dit, là on est dimanche à personne. Voilà, en tout cas là c'est la zone Blue Moon. Et comment, c'est comment Blue Moon? C'est le vrai nom ou c'est vous qui avez appelé ça comme ça? C'est Blue Moon ici. Ouais? Ça c'est Blue Moon. Ok, c'est carré, carré. Et c'est comment dans l'Ormont, il y a ce quartier-là, il y a Carrier, il y en a d'autres ou quoi? Ben ouais, il y a les Alpes, il y a le G3. Après voilà, hein, ça c'est l'Ormont, les quatre quartiers-là, c'est l'Ormont. Au calme et... Ouais, c'est ça, hein, bien vu. Ben là, on est arrivé à la placette, t'as vu? Avant, moi j'habitais pas encore ici, t'as vu? C'est les autres qu'on a vus. Ouais, ouais. Ils m'ont dit qu'avant, il y avait rien. Même là où j'habite maintenant, t'as vu? Il y avait rien. Et voilà. Mais là, c'est la placette. Ils ont bien aménagé et tout. Car même quand je suis arrivé, c'était pas encore comme ça. Il n'y avait pas tout ça. Ouais, c'est récent, ça veut dire du coup, les bails. Ouais, un an ou quoi? Après, à partir de là, t'as vu, on arrive à la ramade. Là. Là, c'est la ramade, tu connais, on y va. Bah, des foot, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ici. Bloqué, ou quoi, t'as vu, on y va. C'est ça le city ici? Ouais.
C'est qui les meilleurs là dans le quartier? Les meilleurs au City? Les meilleurs joueurs, ouais. Ah, y'a pas de meilleurs joueurs. Là c'est le charbon seulement. Tout le monde se la donne. Ah ouais. Après y en a ils sont chauds, t'as vu? Mais ça dépend. Hein. Les meilleurs ils peuvent perdre souvent. Ouais, je vois le délire. Moi quand je suis arrivé, le style était pas comme ça. C'était de la pierre. Ah ouais? De la pierre et tout, ouais. Mais après maintenant ils ont bien aménagé, barrière et tout. Ouais, c'est carré ici, hein? Ouais. Normalement, quand on vient, il y a du monde, même des petits ou quoi, mais là il y a personne. Ouais, il fait moche un peu aujourd'hui en plus. Il est 17h, on est dimanche, t'as vu, il y a personne. Après ça, c'est le city de la ramade, t'as vu? C'est ça, ouais. Ça tient, on vient jouer ici, tout le monde. Vas-y, c'est ouais. Carré, hein? Enfin, même à. Quand il y a des tournois au coin avec Carrier, les Alpes et tout. Si on peut pas aller dans un autre quartier, ils viennent ici, tu connais. Vas-y, bien vu, t'as encore d'autres choses à nous montrer ou on a fait un peu le tour là? Là, on a fait un peu le tour. Là, je t'ai montré là où on bloque, t'as vu? Ouais, je ouais. Je t'ai montré là où on traîne pas, t'as vu? Ouais, normal, hein. Mais là, c'est les principaux endroits où on bloque. Donc. Vas-y, du coup, pour terminer, t'as des réseaux ou quoi? Des Snap, ouais, Insta? Moi, mon Instagram, c'est lakayas-du-bac-a3b. Et Snap, c'est lakayas-tj. Vas-y, c'est carré. Merci mon ref, en tout cas. T'inquiète, on est ensemble. Alors pour continuer cette vidéo, on est en direct des écus avec mon gars NVS, on est au Bouska. Ça va quoi mon ref? Vas-y, hein, je te laisse, tu nous suis. Je vous montre un petit peu comment c'est. Bah voilà, des écus. Il y a un city. Là, il y a de la graille. Donc, si tu cherches la graille, etc. Là, il y a juste un interface, on ne voit pas là. Vocal. Si, il est juste là-bas, là-bas. Il y a gavé de jambes, il y a personne. Alors, du coup, c'est ça. Le Bouska, c'est quel côté de Bordeaux en fait? Bouska. Je sais pas trop. Enfin, c'est vraiment. C'est pas dans Bordeaux, c'est vraiment à côté. Genre, ouais. C'est pas dans Bordeaux. Et ouais, alors du coup, t'as des trucs un peu qui sont sortis déjà ou t'as des trucs prévus? Il y a mon mixtape qui est sorti. Là, il y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines. Il y a un clip aussi qui est sorti. DBF Freestyle. Voilà, c'est que de la trappe. C'est des rimes, des classes, etc. Et après, il y a des sons qui vont sortir, mais pas maintenant. Ok, c'est carré. Et du coup, ouais, là-bas, il y a le City Stade, tu m'as dit. Ouais, là, on le voit pas, mais c'est ouais, c'est par là, ouais. Ouais. Et du coup, en plus, t'as déjà clippé un petit peu ici dans le quartier ou quoi? Ouais, bien sûr. Après, tu vois, comme tu connais le quartier, quoi, tu peux pas voir. Ça, je m'en souviens. Enfin, vraiment, je m'en personnellement, souviens. Tu vois, c'est le bordel, tu vois. Ouais, ça t'inquiète, ça, je sais. Des petits problèmes. Après, tu vois, c'est une bonne ambiance, tu vois. Mais sinon, c'est local. Et la mixtape. Juste des cadrés, etc. Ouais. La mixtape, tu l'as travaillé sur quel studio, tout ça? Moi, les sons, j'ai fait chez moi. Ah ouais, tu fais chez toi, ouais. Et à la base, je devais pas faire une mixtape. Mais genre j'avais plein de sons. Et genre mon manager il m'a dit au pire fais une mixtape à 6 sons. Moi je dis j'ai 5 sons donc je vais en faire 5. Après voilà, on se débrouille pour la cover, le nom. Le nom il s'appelle Au Sommet. Au Sommet pourquoi? Parce qu'on vise au sommet bien évidemment. Donc voilà. Et il y a 5 sons dedans. C'est plus des sons calmes, c'est pas trop de trap. Il y a un son trap entre guillemets, c'est le premier. Intro 2. Et sinon voilà, il y a que ça. Et du coup, c'est comment ta mixtape et tout? Tu t'es dit c'est le bon moment pour sortir quand t'as commencé toi ou quoi? Au début, j'étais pas trop d'accord avec le manager. Mais ce que je dis, c'est le début et tout, tu vois. C'est pas comme si genre, tu vois, j'avais pris de l'ampleur et bam, tu vois. Normalement, si tu prends de l'ampleur et bam, tu balances une mixtape, tu vois. Moi, je suis, tu vois, je suis pas encore gage vu. Après, il m'a dit sors là quand même, tu vois, pour le délire, etc. On sait jamais, tu vois. Après, c'est sorti. Un manager, c'est pas pour rien, tu vois. Ouais, c'est sûr, et on la retrouve où la mixtape du coup? Sur YouTube. Sur YouTube, ouais, entièrement. Ouais, entièrement. Ok, t'as pensé peut-être un jour à mettre ta mixtape sur le site Haute Culture, tu sais, le truc pour les mixtapes gratuites et tout, parce que ça peut être un bon. Non, je connaissais pas. C'est un bon délire là-dessus, tu peux mettre ta mixtape, tu peux tout faire. Et toi, parmi tous les sons que t'as fait, ton préféré, ce serait lequel? Alors, je dirais Freestyle que sorti le clip, DBF, ça s'appelle. Parce que c'est. Je sais pas, c'est dynamique. Il y a des bons clashs, etc. Enfin, des bonnes rimes, etc. C'est ambiance. Après, il y a des bons sons aussi, genre le dernier que je viens de faire là, que je vais clipper, qui arrive prochainement.
Et après, voilà, d'autres sons. Au début, tu vois, j'aimais bien. Après, avec le temps, tu vois, tu dis, c'est pas ouf. Ouais, puis du coup, là, on est au Bouska, comme on a dit avant. Ouais. Et c'est quoi comme nationalité ici qu'on peut retrouver comme... Parce que je sais que ça change un peu selon les quartiers ici. Tu peux retrouver l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, Côte d'Ivoire. Après, la Turquie aussi, un peu. Et après, tu vois, il y a des joueurs, tu vois, comme d'hab. Vas-y, c'est ça, on est au City, là, du coup. Ouais, City. Ouais, je viens souvent ici, je joue avec les potes, etc. On fait des petits matchs, des culs rouges, etc. Tu connais, hein, comme dans tous les quartiers. Il y a des bons joueurs au Bouska ou quoi? Ouais, bien sûr. C'est qui les meilleurs de ton Tchex? Les meilleurs? Emmanuel, dédicace à toi. Après, il y a qui d'autre? Mon âge, je connais lui. Après, il y a d'autres bons joueurs, mais vraiment celui qui me vient à la tête, c'est Emmanuel. Après, il y a d'autres gens, d'autres Tchex que je connais, c'est des bons potes, mais là, on parle de ce Tchex. Donc... Ouais, c'est ça, bien vu. Et du coup, c'est comment? Il y a peut-être des gars qui ont signé, qui ont percé un peu ici au foot, au rap, peu importe. Emmanuel, lui, il a fait. Comment ça s'appelle? Il a fait Pôle Espoir, il me semble, si je dis pas de la merde. Après, voilà, signé. Non, j'en connais pas. Vas-y, c'est carré. T'as des prochains clips, toi, qui sont prévus ou quoi? Bien sûr. Après longtemps, je vais tourner un clip. Un freestyle. Aïe, aïe, c'est carré alors. Et il y avait une question là, je me disais aussi, je la dis souvent aux rappeurs, mais là dans cette vidéo je l'ai pas dit énormément. Ouais. C'est quoi ton top 3 de tes rappeurs préférés à toi? Top 3? Beaucoup des Américains? Ouais, tu peux. En troisième, Kobalade. En premier, Ski Mask. Moi j'aime bien. Et en deuxième, que Favelas. Hein. Ah ouais, ils sont chauds. Ouais. Vas-y, la dernière question là, je pense que tu la connais, j'ai dû déjà te la dire. Parce que là, on est au bon endroit pour la dire. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Une équipe de foot préférée? Alors, j'en ai trois. Mais genre, tu vois, ces trois là, ça change, tu vois. Ouais, vas-y, selon les performances de l'équipe. Ouais, ouais. Avant, c'était Real Madrid, Juventus, Manchester United. Ah ouais. Là, Real Madrid, ils sont pas trop au top. Ouais, en ce moment là, ouais. Mais je dirais Juventus en premier, deuxième Manchester United et troisième Real Madrid. C'est carré, mon ref. T'as des réseaux sociaux, on peut retrouver un peu tes sons? Ouais, alors Instagram, NasB33, tiré du bas. Tu le mettras. Snapchat, Nas-du-bas, Nas6. Et Twitter, j'utilise pas trop. Et voilà, c'est les seuls réseaux sociaux que j'utilise. Vas-y, c'est carré, mon gars. Bien vu, en tout cas. T'inquiète. Mon bigo sonne, j'ai mon collègue qui s'affole. Me dit, y'a un bail à faire, il faut qu'on envoie ça fort. Aïe, oui, c'est sur le deck, direct, ça part en tac. Tu sens la BF, tu tombes. Quand je me mets à rapper, je vois tes yeux s'affoler. J'ai cerné ta folie, je me barre dans la foulée. Hey. Moi c'est Bouska, j'ai 22 ans, là vous voyez c'est les objets, je suis avec le gars, le poteau Gab Morrison, petite présentation. On va vous faire une intro, vous présenter simplement, on va se balader, on va aller voir ça. On va commencer aux objets, puis après on va aller se diriger vers Mériadec en ville un petit peu. Voilà, on va aller plus vers ma zone, même si je suis d'ici, je traîne pas ici en vrai, tu vois. J'ai mes collègues qui sont déjà et j'ai ma zone, donc on va aller voir ça plus tard et on va vous montrer ça, ça va être propre. Ouais, c'est carré. Ça fait combien de temps que t'habites aux Aubiers, toi? Là, ça va faire un an et demi en vrai. Ouais, si je compte vraiment précisément, ça fait un an et demi. Je suis arrivé déjà sur Bordeaux, ça fait 2 ans. Et depuis, j'ai pas bougé. Là, je pense à bouger pour l'instant. Je vais voir où je vais aller, mais je réfléchis encore. Et t'étais d'où, toi, avant, au tout début? Oh là là, à la base, j'étais en Basse-Normandie. Je sais pas si vous voyez où c'est dans le nord, vraiment, ouais. Vers la Bretagne. Voilà, j'en avais marre, fallait que je change d'endroit où j'étais pas bien. Bref, je me suis bougé, je suis venu ici, j'ai fait des nouvelles connexes, il y a des gens, ils sont bien ici. Hein. Niveau rap, franchement, faut découvrir, faut s'intéresser aux gens. Dernière connexe que j'ai fait avec Aizewi, faut aller le suivre sur internet, YouTube, Insta. Prochain projet Evo qui va sortir prochainement en plus. Ouais, en septembre. Ouais. Grosse force à lui. Et franchement, ouais, de grosses connexes à Bordeaux. Faut pas dormir. Et c'est comment? T'as commencé comment le rap, toi, en fait? J'ai commencé en vrai avec un collègue en particulier. C'est Jagda. Faut aller le suivre sur YouTube. On était chez lui, on a commencé, il grattait. Vas-y. Il m'a dit, vas-y, commence un truc. Comme tout mec qui sait pas rapper, on va pas se mettre dans le bain au départ. Mais petit à petit, j'ai pris une feuille, j'ai écrit de la merde et depuis maintenant, je continue, tu vois. Ça m'éclate et j'ai pas envie d'arrêter. Ça fait 4 ans à peu près, tu vois.
4 ans. Et là, on est de quel côté des Aubiers, là? Là, on est côté Lausanne, là. Côté gauche du tram, où les gens ils font bien la distinction. On est coin tranquille, à peu près des Aubiers. Comme vous pouvez voir, il y a les parcs enfants, des grands battes. Et de l'autre côté, vers la droite, c'est là-bas où je traîne, où je vais me poser, où j'habite. Et de l'autre côté, on voit pas, de l'autre côté du tram, c'est l'autre côté où ça bouge plus. Ouais, c'est ça. Ouais, où il y a le quartier, il y a tout le monde, les anciens, les jeunes. Tous. Il y a d'autres rappeurs ici dans le quartier à part toi? Moi j'en connais un qui a fait des clips là il n'y a pas longtemps, c'est Benessao. Ouais. Connaissais pas, allez regarder, mais je pense qu'il y en a qui connaissent. Et sinon, à part Benessao, non, je connais pas pour l'instant d'autres rappeurs ici en vrai. Ok, c'est carré. Ouais. Du coup là, on voit c'est un peu un quartier, il est construit différemment, non? Ouais, même on va au Grand Parc ou je sais pas où, à Saint-Louis, c'est pas pareil. Vraiment, c'est un peu fermé. Et en plus, on voit bien deux parties distinctes, tu vois. On dirait le tram, c'est comme la Garonne, tu vois. Il arrive gauche, il arrive droite. Ouais. Ça fait un délire, mais ouais. Je sais pas, c'est carré en vrai. Hein. Il y a des bons endroits pour se poser en plus. Ouais, bien vu. Puis on retrouve quoi comme nationalité un peu là, ici comme, on a là, plein. Là, tu as de tout, hein. T'as toute l'Afrique ici, même autre, Turc, de n'importe où, des Galsens, des Ivoiriens. Tout. De tout. Ah même ouais, des Français ou des Albanais, n'importe quoi. T'as toute nationalité ici. Et toi, t'es de quelle origine, toi, mon ref? Moi, Djibouti, Somalie. Ah ouais, bien vu. Ouais. Force. Et tu penses clipper ici un jour aux Aubiers ou tu vas continuer dans d'autres endroits un petit peu? Clipper ici, en vrai, je sais pas. J'avais idée de faire écouter un son, tu vois, de l'autre côté, voir ce qu'ils en pensent, pour voir s'ils étaient chauds, tu vois, pour mettre 2-3 compètes. C'est un projet, mais pour l'instant, je sais pas. J'ai déjà plusieurs idées de clips. J'en ai qui sont un peu plus loin. Mais je déclare pas les zones encore parce que franchement, c'est des bons points de vue et j'ai pas envie de balancer ça. Ouais, t'as raison, ouais, t'as franchement, raison. Franchement, il y a des frics qui se préparent. Et là, franchement, en vrai, ici, si tu veux vraiment tourner un clip, c'est street clip. Si tu vas les voir, ils sont toujours en train de rôder en bécane. Si vous regardez des clips de Benessao, vous verrez très bien que c'est mode street vraiment. Donc ouais, moi, je suis dans un délire, mais je veux un autre truc, tu vois. Un autre truc qui pète. Donc on travaille ça et faut attendre la suite. Hein. C'est mon bat. C'est ici, ouais? Ouais, bat B. C'est ici que je zone. Et c'est là mon coin. Des fois, je cherche l'inspi dans les alentours. Moi, je l'appelle le carré. Comme ça, je me pose le soir tard, il n'y a personne. Je gratte. Tard la night, comme tout le monde fait, hein, je pense. Ouais, c'est sûr. Tu vois, ce bail-là. J'ai même un projet, je trouve un truc, je me rends une échelle, je fais 2-3 prises d'aisselle, je me mets là-haut. Ah ouais, t'as raison, ça peut... C'est carré, en mode contre-plongée. Ouais. Ah, ça peut être tout en vrai, avec le bâtiment derrière et tout. Ouais, c'est... Ça peut rendre bien. Franchement, en plus, c'est posé ici. Ouais, c'est posé, je vois, y a pas énormément de monde. Non, tous les gens, ils font pas chier ici. Donc c'est le B, c'est là où t'habites. Voilà, bas de B. Pour l'instant, c'est là que je traîne. Welcome to the hood, hein. Alors mon gars, du coup, on est en direct de Mériadec. Exactement, en direct du terrain. Comme vous voyez, franchement, c'est... À ciel ouvert, on est dans le Bendo, c'est la zone. C'est ça, c'est où dans Bordeaux à peu près ici? Ici, en vrai, t'es entre Gambetta et Palais de Justice. C'est à peu près, tu te situes derrière, il y a la patinoire, il y a les Hnouches qui sont un peu plus loin, tu vois. Et par ici, t'as le centre commercial et t'as la place Gambetta, tu vois. C'est situé entre les deux. On va aller faire un petit tour, voir un petit peu le check. Franchement, c'est carré. Là, il y a les anciens, les collègues, toute génération réunie. Et comme t'as dit, il y a toutes les couleurs, c'est ça qu'il faut. Ouais, c'est ça, bien sûr que c'est important. Et ouais, tout est bien. C'est là que tu traînes un peu, du coup? Ouais, tous les jours. Hein. Ouais, c'est avec, ça. Ouais, je vois. T'as dit pas bonjour? Eh, sale fou, je t'avais pas vu.
Ça filme ou ça filme? Quoi, ça filme? Ça tourne quoi? Pose pas de questions. Ah, le petit Raph, pose pas de questions. Ah. Ouais, hein. Là, tu vois, première partie, deuxième partie là-bas, il y a la petite fontaine. Et on va voir aussi, je vais vous emmener de l'autre côté, on a tourné le clip avec Izzywi. Ouais, c'est ici que ça a été fait. Hein. Ouais, c'est dans les parages. Précisément à côté de l'hôtel départemental. En attendant là, la rentrée. La rentrée, il y a des choses qui vont se préparer normalement. Parce que là, c'est l'été. Il faut économiser. Après, il y a des clips normalement, je dis bien, il y a des clips qui vont sortir, un ou deux. Je sais pas encore, mais je sais qu'il y en a, ils vont sortir. Ok, ça va être des solos cette fois un petit peu. Ouais. Là, on est parti sur une petite base de Bouska Penalty, tu vois, en mode des freestyles, Penalty 1, Penalty 2. Ah ouais. Après, à voir selon le move que ça donne, tu vois. On a de bonnes idées, faut juste que je les concrétise et que je les range. Et mettre ça au propre et puis voilà. Et de bonnes idées sinon. Ok, c'est carré, hein. Ouais, c'est et carré. Ton blaze Bouska, ça vient d'où en fait? Ah, grosse dédicace à mon gars Jagda. On faisait soirée, tout ça, et vas-y. On s'enjaillait sur des prods, on cherchait des bails sérieux et on a commencé à mélanger un truc. Il a sorti ce blaze. Au fil du temps, je me suis dit c'est bien, tu vois, et au final c'est resté. On a gardé ce blaze et moi je l'ai maintenant. Bouska, allez voir, allez vous abonner. Pour l'instant, c'est le début, mais ce sera grâce à vous si ça marche. Hein. Ouais, voilà. C'est sûr. Et c'est comment ça t'est venu de traîner à Mériadec, toi? J'avais un collègue à la base, on s'est connus en Basse-Normandie, et comme par hasard, lui, il a de la mif, tu vois, ici. On s'est répété ici parce que lui, il traîne là. Que la tête que t'as vue, le Renoir tout à l'heure, c'est quelqu'un de sa mif. Du coup, je me suis posté, j'ai fait la connexion et depuis, je suis resté ici. Hein. Il y a des bonnes têtes ici, franchement. En plus, c'est un quartier, t'as plein d'endroits pour clipper ici. C'est... Ouais, c'est t'as lourd, des hein. Bonnes prises de vue, t'as tout. Là-bas, c'est le tournage qu'on a fait avec Izzy, la connexion, Izzy Connect 3. Non, franchement, il y a des bonnes prises de vue à faire. Faut juste trouver les bons endroits. Ouais, et puis je crois qu'il n'y a pas que des habitations ici, il y a d'autres trucs un petit peu, non? En mode. Tu poses, il y a des gens, ils viennent faire du skate ou ils viennent faire du parcours, tu vois. Il y a plein d'autres endroits qu'on n'a pas vu là-bas qui sont gavés aménagés, on dirait. Faut juste faire le tour et franchement, c'est gavé propre. Vas-y, c'est carré alors. Ben ouais. Alors du coup, je suis avec mon gars Izzywi. Juste avant, j'étais avec Bouska, on parlait d'un peu la connexion qu'il y a eu entre vous deux. Ouais. Tu l'as connu comment, Bouska, toi? Bouska, je l'ai connu avec des raps qu'on avait en commun, des amis, tu vois, en commun. Et les deux, la même passion, t'as vu, la musique. Et voilà, ça s'est fait naturellement, tu vois, moi, j'ai proposé un projet. C'est-à-dire de participer à ma rubrique Izzy Connect et voilà, ça s'est fait naturellement. Alors du coup, le thème un peu du slow métrage, c'est les quartiers de Bordeaux. Ouais. Tu peux nous dire d'où tu viens, de quel quartier, où ça se situe exactement? Ben moi, je viens de Bérignac. Bérignac-Centre, j'ai fait la plupart de beaux vécu pour l'instant à Bérignac-Centre. Là, j'ai déménagé il y a 2-3 ans, toujours sur Bérignac, mais plus dans le centre-ville. Ouais, même t'as vu, je t'avais montré tout ça dans le reportage. Dans la vidéo, dans l'immersion qu'on avait faite ensemble. Ouais, non, je t'avais montré mon ancien quartier, le nouveau. Ouais, voilà. Monde Madame, c'est un quartier connu, c'est le quartier du centre-ville. Il y en a 2-3 qui gravitent autour. Et voilà, toute la zone, on se connaît tous, quasiment, on se connaît. Y a d'autres rappeurs là-bas ou quoi? Ouais, il y a un fond de rappeurs sur Mégignac. Carrément, je pourrais tous te les citer. C'est en balistique, si j'en oublie un, tant pis. Mais en tout cas, je connais. Il y a la Balas, t'as vu. Balas Kenk, Ziano, Touta. Il y a qui d'autre encore? Il y a
les petits nouveaux là qui viennent de sortir un son aussi. Comment ils s'appellent déjà? C'est pas la Brasco Banks? Ouais, il y a Brasco Banks, il y en a d'autres petits là de Isère, ils ont sorti des... Ben voilà, ils viennent de sortir leur premier clip. Moi, si t'arrives à retrouver leur place, t'as vu, je t'en... On mettra ça. Ouais. Et voilà, carré, je pense que j'oublie pas trop de monde, t'as vu, je pense pas. Il doit y avoir d'autres personnes, mais bon, que je retienne comme ça, là, peut-être. Alors du coup, la visite un peu de ton quartier, elle est retrouvée sur ma chaîne, là, dans l'immersion qu'on a fait avec toi, mais là, on se retrouve en centre-ville. Ouais. Toi, c'est où que t'as l'habitude de traîner sur Bordeaux? Pas trop souvent déjà. Déjà le bas même tu me verras pas trop souvent. Et si tu me vois, tu peux me voir à Grand Théâtre, tu peux me voir à Sainte-Catherine, tu peux me voir à... Ouais, encore sur Cours de la Marne, tu vois, tu peux me voir aussi. Sinon, ouais, non, moi je suis pas trop dans le secteur, hein, tu sais, je viens de ma ville. Je reste dans ma ville, je suis bien, il y a tout là-bas. Et ici dans tout le 33 là, si. Il y a une adresse à retenir, que ce soit, je sais pas, un grec, un bar à chicha, une boutique, tout ce que tu veux, ce serait où selon toi? Bon, pour moi, je fais une grosse dédicace parce que voilà, il n'y a aucun autre magasin ou commerce ou quoi que ce soit qui fait quelque chose pour le rap. Moi, je vais dire Food Corner, je vais rester loyal. Voilà, Food Corner, bien sûr. Carré, aller toucher Food Corner Bordeaux. Ouais, ils vendent de la putain de sable. Carrément, aujourd'hui, j'ai vu qu'ils avaient fait des chaises dépliables, terre de jardin, Food Corner, elles sont terribles. Voilà, tu vois. Pas sponsorisé photo, mais carré Food Corner c'est la base. Tu passes au Food Corner, c'est obligé, tu croises une tête là-bas. Hey, plus ça avance, plus les gens sont naïfs. 19 piges ma gueule, j'ai toujours pas quoi faire de ma hive. Je continue de gratter le papier, à ce qui paraît, je fais la div. J'arrêterai pas jusqu'à que ça paye. 16h34, on est lundi. Rappelle-toi, t'étais en chien, c'est moi je disais, t'inquiète, je t'invite. Vas-y, du coup, pour continuer la vidéo, le grand tour un peu dans le 33, on est où exactement, mon gars? Là, on est aux Alizés, mon pote. Voilà, le seul bac qui a l'espoir, cousin. C'est un peu là qu'on vient des fois, tu vois, on est là, tranquille. Vas-y mon gars, c'est ici que tu clips un petit peu, non? J'ai clippé niveau 2 ici, ouais. Ok, c'est carré. Du coup, c'est où l'Espar exactement? Parce que c'est loin de Bordeaux un petit peu. Ouais, c'est à 60 km de Bordeaux, c'est dans le Médoc, tu vois. Voilà, sud-ouest de la France, cousin, Gironde, Aquitaine. Du coup, c'est comment? Il y a d'autres rappeurs ici à l'Espar ou quoi? Ouais, franchement, il y en a de plus en plus là qui arrivent. Ils sont pas forcément de l'Espar même, tu vois, mais qui sont du coin, tu vois. Ils sont avec nous, tout ça. La famille, ça arrive fort. Il y a Trinks, il y a Liam, il y a Tropico, il y a un petit. Je me rappelle son blaze, Arthur. Franchement, il y en a plein. Et franchement, voilà, c'est que du lourd, frère. Vous allez voir là dans un petit moment. Du lourd là, j'ai fait la scène avec le BM là, tu sais, où je me casse comme ça. Plus là, sur la rue, tu vois, dans le niveau 2. Ouais! De quoi? Ouais. Vas-y, du coup, t'as un projet, t'es en préparation? Ouais, là, je vais sortir un autre feu, là, je suis en train de le préparer, t'as vu? J'espère pour 2020. Ça va? Ouais! Pour 2020, j'espère. Il va sortir début 2020, t'as vu? Voilà. T'as déjà commencé un peu à taffer dessus ou quoi? Ouais, j'ai deux trois sons qui sont prêts là. Voilà. Ok, c'est carré mon gars. Et t'as participé au truc de Food Corner aussi avec quelques freestyles, tout ouais, ça? Ouais, big up aux frères Lumière, voilà, c'était lourd. Même Food Corner, voilà, c'était lourd. C'est quoi le délire en fait? C'était quoi le principe? Ben, ils nous ont demandé de venir avec un freestyle de 1 minute, tu vois. Après, on a clippé là-bas, tu vois. Ouais. Vas-y, c'est carré mon gars. Du coup, là, on est aux Alizés, c'est ça? Vas-y, on va continuer un peu. C'est là que j'ai niveau 2 dedans aussi, j'ai clippé. Ok, c'est carré. Pour un débile, vas-y passe-moi la balle. J'étais 10 grosses vitesses dès le départ. Je les gagne avec 10 points d'écart. HTB dealer, l'argent on le fait, on le monte pas. Trop de mythos qui mériterait des tartes. Ratatatatata, c'est elle quoi, HTB. Capitaine, j'ai rendu rinté. Accroche-toi, personne viendra t'aider. De toute façon, y'a que des PD. Ça y est, je vais pas me répéter quand j'étais dans la merde. C'est comment là? C'est le stade un peu là, c'est ça? Ouais, le stade. C'est comment? T'as joué au foot un peu à l'Espar toi? Ouais, je joue. Toujours joué à l'Espar, mais je suis petit, voilà, ça fait 10 ans. Ouais, puis aujourd'hui, un match, c'est le 19, tu m'as dit. Ouais, c'est contre qui? Lesin, je crois. Ouais, vas-y, ça joue bien les U19 ici, ben, ou ça quoi? Ça gagne pour l'instant, cousin. Ça gagne. Y'a des potos à toi un peu qui jouent? Chez les types, non, mais après, ouais, je vais avec des potos à moi pour être senior. Quoi. Alors, du coup, t'as clippé ici aussi un peu? Ouais, le niveau 1, ouais. Ouais. Premier clip, on l'a fait ici, là, il y a un an presque. Là. Ok, c'est ça, c'est le tunnel, c'est ça ici? Ouais, le tunnel, résidence, la tour. Ok, ça marchait. Une question, je me disais aussi,
Je vois souvent 3-4-0 et tout, c'est quoi exactement tout ça? Mais en fait, le code postal de l'espoir c'est 33340. Et voilà, tu vois, du coup, 3-4-Z. Au début on s'est dit 3-4-Z, après 3-4-0 c'est les deux. Comme vous voulez, okay. Tu vois. Ouais, je vois ça, c'est écrit derrière en plus. Ah, et voilà. Les clips là, tu les as fait avec qui du coup en fait? C'était T-Wolf le premier. Ouais, tu as fait venir jusqu'à l'espoir et tout du coup? C'est bon, ouais, je l'ai emmené jusqu'à l'espoir. Ouais, ouais. Et du coup, vu que c'est un peu loin de Bordeaux et tout, t'as fait comment? Tu fais comment pour enregistrer toi? C'est pas un peu galère? Frère, on se débrouille, cousin, prends une voiture, on y va, cousin, tu vois. Il faut de toute façon. Hein. Ouais, c'est carré, mon gars, c'est carré, voilà. Bien vu. Et c'est comment sur l'espoir? Tout à l'heure, on était au stade et tout. Est-ce qu'il y a peut-être des sportifs un peu qui ont émergé de l'espoir? Sinon, en vrai, je sais pas. Non, je crois pas. Non, je crois pas, tu connais le ligament croisé, tout ça, c'est chaud. Et c'est comment, il y a d'autres clubs de sport ici ou quoi? Non, je pense pas. Je pense l'espoir. Enfin, dans les alentours, tu veux dire? Ouais, ou même dans les alentours. Non, côté. Il y a rien, frère, c'est l'espoir, mon gars. Il y a marqué L pour la street ici, photo. Ici, ouais. 4Z, les tarots, la bœuf, le shit et tout. Tout ça, ça a été repeint et tout. Repeint, la porte, ça avait cassé plusieurs fois et tout. Et voilà. C'est ça, ouais. C'est comment le voisinage, il casse pas un peu les couilles ici? Ah, des fois, tu connais, on est casse-couilles. Tu vois, mais bon. Voilà, on a cassé la porte plusieurs fois, arrive à Pigiron d'Habitat. Là, c'est mort, on arrête, tu vois. Ok, au calme. Du coup, c'est comment ici? Là, j'ai clippé niveau 3 ici, tu vois, c'est un endroit où on se pose souvent, faire des barbecues quand il pleut, pas bon. C'est cool, les gens ils ne cassent pas les couilles, il n'y a pas de voisinage ici, c'est ça qui est bon. Ouais, c'est quoi ici à la base en fait? En vrai, je sais même pas, c'est des. Tu sais, des trucs de. Les bureaux pour les formations et tout là. Ah ouais. Vous faites souvent des barbecues à l'espoir ou quoi? Ouais, franchement, ouais, en vrai, ouais. Moi, je sais pas, 2-3 par semaine, frère, tu connais. Ok. Carré, mon gars, ben vas-y, on a fait un peu le tour. T'as des réseaux où on peut te suivre, où on peut te retrouver et tout? Elcola Street 340 sur Snapchat, Elcola Street sur Facebook et sur Instagram, Twitter aussi, Elcola Street 340. Voilà, le pays va sortir, vous en saurez plus bientôt. Big up Cap Morrison. Merci, hein. On est ensemble. L'espoir, on est là, mon gars. La prod, je vais la plier. Je vais pas me faire oublier. Comme nos bouches brillent, les os mettent à griller. Le verre et le cocktail, marron vers ta substance. Mes rêves sous Jack Daniel, et toi t'écoutes la trance. Alors, on est dans quel quartier là du coup? Là, on est au Grand Louis, là, Ezine. Limite Mérignac un peu, tu vois. Et puis voilà, petit quartier tranquille. On est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vas-y, je vous laisse, je vous suis, vas-y, on va voir un petit peu, c'est comment ici. En Fred. Là, on est là tout le temps. Les premiers freestyles c'est ici. Les derniers freestyles c'est ici. Vous avez clippé un peu ici dans la cave, non? Ouais, on a fait un clip les 24 heures. Et même plein d'autres, je crois. Il y a un peu des parties, ils sont pas prêts. Pratiquement tous nos clips, il y a une petite partie, tu vois, toujours c'est un peu ici. Donc, voilà, mais on est tout le temps ici, tout le temps. Et du coup, ça se situe où dans Bordeaux à peu près ici? Ouah, là c'est. Des Bordelais, ils vont dire on est à la campagne. Tu quittes la ville là, tu vas à la plage là. On est une des dernières villes avant la plage. C'est ça. Ça va au calme, hein? Ouais. Et on va te montrer. Après, bon, là-bas c'est l'entrée. Le quartier il a une particularité, c'est qu'il n'y a qu'une entrée, une sortie. Ah ouais? Ouais. En fait, là-bas tu peux sortir, mais pas en voiture. Scooter. Ah ok, ouais. Scooter, ouais. Quoi, cross. Les condés ils sont biaisés. Par contre, voilà, t'as qu'une autre sortie, si tu cherches en voiture, t'as pas le choix de passer par là. C'est comment? C'est grand un peu ici ou? Non, franchement, c'est petit. Hein, ouais, c'est un petit quartier. Il y a combien? 13 bâtiments? 14 bâtiments, ouais, voilà, un truc comme ça. Ouais. Voilà, il doit y avoir. Peut-être 5000 ou 6000 personnes à peu près. Après, comment, c'est comment, ouais? C'est cosmopolite quand même ici. C'est ça, il y a quoi comme nationalité? Alors voilà, il y a pas beaucoup d'arabes, il y a un petit peu d'arabes, un petit peu de blacks. Il y a beaucoup de tchétchènes, de russes, ouais, et tout. Ah ouais, beaucoup, ouais, des, ouais, gens, ouais, de l'Est, ouais, ici, ouais. Voilà, c'est beaucoup de mecs de l'Est, des Français aussi, évidemment. Et voilà. Et beaucoup de gens de l'Est, ouais. Voilà, de Tchétchènes, Tom-Tom, russes, ouais, voilà. C'est... Et vous êtes de quelle origine, vous? Moi, je suis marocain. Maroc? Martiniquais, moi, Martinique et Guadeloupe. Ouais, bien vu. Et dans le Banks tout à l'heure, c'était quoi? C'était. Ah là, il y avait. Il y avait un peu de tout, non? Ouais, là, il y avait de tout. Il, hein, ouais, bah, y avait des Russes, il y avait. Il y a de l'arabe, du noir. Des Antilles. Ouais, voilà, il y a de tout. Après, on est habitué, on a tous grandi comme ça. Ouais, ouais. Tu vois, c'est. Moi, j'ai grandi dans un autre quartier, au Grand Caillou, un peu plus bas. Ouais, c'est ça, ouais. Là où il y a Moud, d'ailleurs.
Ouais, que j'avais appelé mais qui est malheureusement pas là aujourd'hui. Ah ouais. Ouais, ouais. Force à lui, bien ouais, sûr. Il vient de sortir, il vient de sortir son projet, bien sûr, allez cliquer. Et ouais, franchement, c'est du sale. Et voilà, moi j'ai grandi avec lui. Du coup, ouais, là-bas, c'est plus arabe, arabe, turc et noir. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça, c'est arabe, turc et noir. Mais là-bas, c'est beaucoup plus grand, le Grand Caillou. Ouais, puis à part Caillou, ces deux. C'est, ouais, c'est 15 000 personnes. Hein, ouais. À part ces deux quartiers, il y en a d'autres ici à Aizin. Non, il y a des petites résidences, tu vois, il y a un peu de jeunes, ouais, mais c'est pas vraiment. Ouais, 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 je vois. Même bien. Nous, c'est pas, ici, c'est pas un gros quartier, tu vois, c'est petit, tu vois. C'est... En fait, nous, on a un quartier où, genre, on est les mecs, les grands de 40 ans et tout, ils sont avec nous, en fait. Depuis ouais, tout petit, j'ai remarqué ça. Depuis ouais. tout petit, c'est comme ça, on a toujours. Ouais, ça a toujours été comme ça. On a toujours été avec les grands, et puis on a tous grandi là, ensemble. Là, on a passé du temps sur ce terrain-là. Ouais, sur ce terrain. Là, tu vois toutes les bosses qu'il y a là. Et ici tu fais un tac, tu tombes, tu te casses la jambe. Ah, ça, c'est sûr, ah, c'est sûr. C'est les premiers fans du FSG, ça. Trop chaud les petits peu. C'est comment les vidéos. Il y a des bons joueurs à Aizin ou quoi? Ouais. Et lui c'est un talent. Là les deux là. Et c'est des Girondins. Venez voir les gars, venez voir. Et montre-lui. Montre-lui ta technique là et tout. Dis-lui que tu vas devenir pro. C'est comment tu joues en club mon gars ou quoi? Ouais. Tu joues où? Ouais, c'est Girondins Bordeaux. Ah tu voilà. joues aux Girondins. C'est ça qu'il faut dire. Là c'est bon, il y a deux petits rebeux. Oh, depuis ils petit, sont vraiment, vraiment petit, très forts. Ouais. Ils sont techniques. Non, voilà, putain, c'est vraiment à squatter. Non, oh. Ici en fait on se met là le soir. Le c'est soir ça, ici ouais. quand c'est l'été. Ouais, les dimanches, tous les dimanches. On s'éloigne des bâtiments parce que les gens ils pétaient un plomb. Quand on est en bas là-bas le soir, ils pètent un plomb les gens. Du coup, ben, ça compromet certaines choses. Du coup, on évite de fumer pour là-bas. Ouais. Après, là-bas, c'est l'endroit le plus important, qui est le plus important pour nous. On va aller voir ça. Attends mon ref. Oh, tu nous as refait celle-là ou quoi? Voilà, lui il est pas timide. Hey, okay. il est chaud. Ouais, il y a des mecs de 30 ans, ils arrivent pas à faire ça. Bien vu les gars, bien vu. Hein. Et c'est comment, il y a des gars qui ont percé un peu à Aizin au foot ou en sport, peu importe dans quel sport. Ouais, ouais, il y a un de mes amis d'enfance qu'on voit du dessous, Samuel Kisteuri. Boxeur, équipe de France. Ah, c'est bien ça. Team Brahim Asloum. Ah, ouais. Voilà, donc il était même à l'INSEP à Paris et tout. En boxe, il a fait tout ça. Après, on a deux, trois bons joueurs de foot. Si, ben, son grand frère, hein, Samuel, il est dans l'équipe de France de futsal. Ah, ouais. Soccer 5. Il y a deux, trois mecs du Grand Caillou aussi qui sont. Je crois qu'ils ont une bonne équipe de futsal. Ouais. Ça joue, c'est chaud au futsal. Et puis, en fait, avant, le truc, c'est qu'à Aizin, l'équipe, en fait, elle était à un bon niveau. Et en fait, il y a 10 ans de ça, il y a eu une putain de bagarre générale sur le terrain. Ah merde. Ils les ont relégués en dernière division. Mais ça jouait presque en CFA à l'époque. Ah, c'était lourd ouais. Il y a, Et genre là, en fait, voilà, c'est. Ici, c'est le centre social. Centre social, ouais, comme dans chaque quartier. Hein, on a le même animateur depuis 15 piges. C'est là où on a commencé. Là, c'est fermé, malheureusement, on peut pas y aller. À 13 ans, on a bloqué là. Slam et tout ça. On a commencé ici. Après, on n'a jamais lâché le rap. Jamais. Ma demi-heure, premier assaut, premier studio, on a tout fait ici. Le mec qui nous accompagnait depuis qu'on est tout petit avec la mairie et tout, ils ont filé un coup de main. Et puis voilà, ici on a charbonné. La première fois qu'on a enregistré et tout, c'était ici. On avait acheté le studio avec l'assaut, ils nous avaient filé un peu de sous et tout. On avait. Ouais, c'est ça. Un truc, voilà. Et ça, c'est important, ça, c'est vrai, c'est important. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y aurait pas eu ça, franchement. Ouais, le mec nous a pas lâché, t'as vu. La vie, elle est pas. On n'est pas focalisé que sur le rap, tu vois. En vrai, on fait ça, c'est un plaisir et tout, tu vois. Mais eux, ici, t'es arrivé ici, ouais, pas de problème, il y a des activités, ils s'occupent de nous, les gens. C'est vraiment important de montrer ici parce que c'est un des endroits le plus important pour nous. C'est encore en activité ici un peu tous les ans, ça augmente et tout. Même, tu sais, ils aident les gens. Tu sais, il y a Gavet Jeune et tout, il y a beaucoup de travail et tout ça. Ouais. Et en fait, ils t'aident à faire les CV, faire les démarches administratives et tout. Tout le monde t'aide. Ouais, parce que ici, c'est chaud, ici, au niveau boulot, les gens. Ouais. Tu sais qu'il y a beaucoup de Tchétchènes, de Russes et tout, ils parlent pas français. Ah, tu vois, oui, c'est compliqué. Ils sont déter, hein, tu les mets dans le bâtiment. Donc ouais, de ouf. Ils sont déter, mais voilà, ils parlent pas bien français, du coup, c'est compliqué de trouver du boulot. C'est galère, hein, tu vois. Ouais, là, c'est pareil, c'est Gros-le-Rouy, mais ça s'appelle Argilière ici, là. Okay, ouais, bon, c'est compté avec, quoi. Ok, ça marche. Vas-y, on peut continuer, hein, je vous suis. C'est comment, du coup, vous avez sorti. Depuis que je suis venu vous voir la première fois, vous avez sorti le projet, la mixtape. 7 titres, ouais. Dispo partout, hein. iTunes, Spotify, partout. YouTube. Voilà, ça marche bien, les retours ils sont bons. On est sur le volume 2, on travaille sur un autre truc, un petit projet
franchement, on a plein de projets. Ouais, on est déter. Même là, après, c'est studio. De toute façon, on est là, on a le studio à la maison. Notre ingé son, là, il est revenu, là, Ricoba, là, justement. Il s'installe un an sur Bordeaux. Et voilà, là, on va en profiter, justement, qu'il reste vraiment sur Bordeaux pour enregistrer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Jusqu'à que ça pète, et si ça pète. Comme il était à Paris, en fait, on le voyait que une fois tous les 2-3 mois, il descendait. Une semaine, un week-end. En fait, une semaine, un week-end, on devait enregistrer 10, 30, 10, ouais, 20, 30 ça, sons, en fait. C'est chiant, tu vois. Et du coup, ben maintenant qu'il est là, on envoie des sons. Pour ça, ça va vite, on a plein de sons. On se concentre un peu sur les clips aussi, on va envoyer quelques clips. C'est ça. Ça serait toujours bien de trouver un clipper d'ailleurs. Ouais. C'est avec cette vidéo on en trouve un, ça serait pas mal. Ah ouais, Bordeaux là. Ah ouais. Ouais les mecs. C'est mais le même clipper. Vous êtes pas tous Chris Macari, ouais, ouais. Faut pas pratiquer le tarif de Chris Macari, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais il y a du niveau en tout cas à Bordeaux, c'est cool, ça fait plaisir en tout cas. Gab Morrison il est là, derrière ouais, la caméra. Merci, comme d'habitude. Ah ouais, il fait sa ronde et tout. Merci. Il y a pas tous les quartiers de Bordeaux, très important. Parce qu'on est ensemble, vous voyez les gars. Le problème c'est qu'à Paris tout le monde se soutient. Nous ici personne se soutient, personne se connaît. Regardez, ça fait 10 ans que je fais du rap à Bordeaux. C'est pas ça, c'est qu'on se connaît. Je connais pas beaucoup de rappeurs à Bordeaux. On se connaît tous, mais on se soutient pas. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème, ouais. Il faut absolument soutenir, on est ensemble. Vous voyez que c'est une galère. Il y a Ashraf à Barbe qui se décarcasse pour nous. En vrai, faut essayer de se donner la force tous ensemble, faire des sons, des collabs. Ça ferait plaisir. Les gens, ils sont bons à Bordeaux. Ouais, il y a du niveau. Faut essayer de se pousser. Rive droite, rive gauche. Il y a du niveau. Ouais, on est ensemble, forcément. Ouais. Et ça pense un peu qu'à son cul, quoi, à Bordeaux. Ouais, c'est ça le truc. Et surtout, le pire, c'est que les mecs de Paris, de Marseille et tout, quand tu leur dis, ouais, tu viens de Bordeaux, tu sais, ils ont rien à foutre, tu vois, un mec de Marseille, ouais. Un mec du quartier sud, il sera supporté par un mec du quartier nord, c'est Marseille. Ouais. Marseille, c'est Marseille. Faudrait que Bordeaux, ça soit Bordeaux. En fait, faut qu'il y ait un gars qui perce ici. Ouais, c'est ça le truc. Parce que je sais que moi, dans les quartiers, quand je dis je viens d'Orléans, ah, Dosset, VG Dream. C'est ça, c'est machin, exactement ça. Tu vois. Alors voilà, tu connais. Si, il y a eu Sams, tu vois, Sams, il perce dans le cinéma. Maintenant, voilà, il était. Mais il a c'est un des meilleurs rappeurs français. Ouais. Et tu sais quoi, malheureusement, il a pas eu de chance. Ou il a pas eu ce son qu'il a fait passer forcément bien en radio et tout. Mais tu sais quoi, franchement, on a un des meilleurs rappeurs, on a eu Black Kent aussi. Black Kent, c'était trop. Mais Sam, il fait tout, il fait foot, cinéma, rap, il fait tout lui. Même au foot, il est chargé. il avait joué au Girondin en plus. Ouais, Girondin, il a joué en CFA au Stade Bordelais aussi. Je sais plus où il avait joué, mais là, il avait un bon niveau. Moussa. Il a une plume de ouf en plus. Ouais, il est très chaud. Voilà, c'est ça surtout. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit Bazardé. Si vous savez pas, les gens à Bordeaux, Sam, il a écrit Bazardé. Eh ben. Ça faut le savoir, ça, c'est marqué en bas. On va faire un freestyle dans un hall. Hein. On va aller freestyler du coup. On va freestyler dans un hall. Allez. Assis. Yeah, c'est le F. C'est le F. Yeah, le rap game, je chie dessus. J'ai déjà tous les codes. Trichant avec les potes, on chante, mais c'est je te coupe la gorge. Je me réveille bercé par les notes. On prépare de la bombe, le sol est caché par les halls. On reste des hommes de l'ombre. Les journées sont longues, l'enfardeau, je vide mon sac. Les nuits sont devenues courtes, ma plume est insomniaque. Rangez vos faux sets, les faux frères, j'quête loin. On m'a dit le meilleur ami de l'homme, putain. Reste le chien, j'en place une pour ma mère. Ma famille, je serai rien sans eux. Ici, on marche dans la merde. Pourtant, loin des chanceux quand les âmes sensibles écoutent. Y'a un grand nombre de pertes. On monte la barre trop haute, les indices unissent de perche. Rien ne les empêche d'aller s'entraîner. Tu disais jamais j'arriverai, fallait jamais dire jamais là. Tu dis que c'est trop, les effets sont magiques là. Recette de mon flow et gardé par les druides là. Là 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 c'est fluide, bébé je te laisse des traces. Et si un jour deviens connu, ne me rappelle pas pétasse. Les MC sont à la benne, ce sont des faux. Je tape, t'aurais pas entendu tes gras, t'aurais pas écouté de rap. FLG hein, FLG Grand Louis, Ezin hein, Bordeaux Ezin. On est ensemble. Ok. Yeah. Moi je fume des terres qui valent 10 euros. Et je vaux 10 euros. Entre ceux qui se disent zéro et les dinero. C'est pour mes rois, ceux qui sont planqués sur tes côtes. Yeah. Ceux qui ont stoppé l'école, ceux qui ont même pas harassent le code. C'est pour ces petites putes sur Insta qui montent leur petit cul. Y'a madame Air Jax, plus de likes que des rictus. Elle cheat chip, c'est vite vu, invictus. Multitude de rapports avec missiles russes. Une erreur de plus, il tourne pas à zéro. Wow, quand t'es pris en flag, joue pas les caliméros. No, 2018, les choses se passent. Sur ouais, c'est bon, des gadgets bougent leur bassin. Me mélanger, frérot, ça là, j'ai vite un vertirant. Dans la main gauche, y'a du hack qui s'effrite. Wow, je suis dans une autre sphère, je lâche les autres sphères. Je veux pas qu'on se prosterne, frère, mais je veux ma gueule en poster. Ouais, je vais skill vocal d'acide. En 3030, tu auras toujours des fils de pute racistes. Franchement, là, je suis Z, j'ai plus pire que ZB. À 50 piges, t'es comme un con, t'as tout misé sur le keno. Tu crois que t'es bon, t'es qu'un loubar qui tous les jours se dramatise. Un jour, tu rends ta femme se barre parce que tu pues et trop la tease. Maltraité par la vie, un jour, tu prends le calibre, bro. Tu prends 20 années et tu sais pas ce qui t'arrive. À ta sortie, tout a changé. Tu dis que au
enfant t'es pas allé, tu pètes un plomb dans ta tête. Lui mettre c'était le calibre, parce que c'est baragoué. Les juges de fuite, c'est banalé, je redoute le prochain fils de pute qui nous frappait, t'es une valise. Du coup, t'es le beatmaker, toi? Ouais, ouais, je suis le beatmaker de FLG. Ça fait voilà, on bosse, on taffe. Tu connais? Du coup, vous avez bien, t'as travaillé sur la mixtape avec eux, du coup? Ouais, on a travaillé les 3 EP déjà. Dès qu'on est arrivé, on avait le délire de partir avec des EP. On a sorti FLG. Ensuite, il y a la première mixtape qui a suivi. Et puis on est là aujourd'hui, on continue à taffer, on prépare les projets. Voilà. Ok, c'est carré, il y a des projets qui sont prévus avec FLG justement. Il y a beaucoup de projets. Ouais, là on taffe les prod avec lui là. Là c'est en fait on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de facilité à produire des sons, à avoir de nouvelles mélodies, de nouveaux délires. Du coup on prépare plusieurs projets en parallèle. Là. Ok, ok, il y a d'autres rappeurs à Izine, je vous ai pas demandé en fait. Hein. Ben Mood. Hein. Ouais, il y a Mood. Je crois que c'est tout en vrai, il n'y en a pas d'autres. Il y a Ganza. Ah si, il y a Ganza, ouais, c'est Ganza, vrai. C'est vrai. Il y a Ganza, mais après, voilà, d'autres. Peut-être qu'il y a des petits jeunes et tout, ils sont mis dedans, mais. Après, il y en a là qui rappent. Ouais. Mais les petits d'ici, ils commencent à rapper. Ils font, justement, ils font comme nous, comme on a fait il y a 10 ans de ça, ils font des petits ateliers et tout. Même on en a fait 2-3 avec eux carrément. Et bah, franchement, ça commence. Ils ont enregistré un son et tout. Ils ont fait un clip, franchement, c'était délire. Hein. C'est pas mal, ça commence. De toute façon, il faut bien commencer quelque part. Ouais, c'est sûr. Hein. C'est ça. Toi, tu travailles avec d'autres rappeurs à part FLG ou... Ouais, bah le but, c'est que j'ai ma patte un peu partout. Il y a des rappeurs comme Pouya qui est de Lyon. Ah ouais, je vois. Pouya LZ. Exactement. Ouais. Là, on travaille des sons avec lui. J'ai taffé un projet avec ALP. Ah, 9-4. 9-4, ouais. Si. ALP, là, on a fini le projet. Normalement, il sort à la rentrée. Et puis voilà, tu sais, on essaie de poser un peu des prods pour tout le monde. Ok, on a bien vu. Un peu partout et... Ouais, là ça commence à faire des grosses prods là. Franchement, là, attention à lui là. Il fait des bonnes prods. Surtout bon ingé, les mecs. Mmh. C'est carré. Voilà, là c'est. Franchement, le quartier il est blind hein. Parce que en alcool c'est trop. Ah ouais. L'alcool c'est beaucoup trop. Ici, ouais. Oh, c'est abusé. Dès 10h du matin, ça va pour la vodka. Y'a qui? Et puis voilà. Et comme c'est sur une grosse avenue en fait, il y a grave de passages. Ouais, vraiment gavé, puis reste tard jusqu'à minuit. Il y a gavé de passages, c'est bon. Voilà. C'est ça, c'est la ligne du quartier ici un peu. Ouais, là c'est la vie, c'est... Ah, parce que tous les gens qui passent sur la grande route, ils s'arrêtent pour acheter l'alcool. C'est ça. C'est le seul proxy qui vend de l'alcool. Si tu veux aller à la plage, t'es obligé de passer par ici. Jusqu'à midnight. Ça va, quand même. Et la vente doit prise pour Kalash. Qui rampe aussi d'ailleurs. Ah ouais? Non, ouais, c'est la maison. On est dans quel quartier là du coup? Là on est à Fessac-Sèche, tu vois, avec les gens et tout, et donc tu vois, c'est un petit quartier, c'est ambiance, il y a cette ambiance comme tous les quartiers, tu vois, mais comme je dis, là on va se présenter bien le quartier, voilà, on va voir qu'est-ce qu'on peut dire, raconter un peu d'ici, des bails qu'il y a ici, pas que l'ambiance, sinon mentalité, qu'est-ce que ça se fait. Comme, tu vois, après moi, comme on dit, on n'est pas des anciens, tu vois. Pas des anciens ici, on est des nouveaux. Donc on va raconter qu'est-ce qu'on peut, non? Qu'est-ce qu'on peut aider à les gens. Vas-y, voilà. Je te suis, hein, tu nous fais montrer un peu, voilà, là, un peu tout. Ouais. Voilà. C'est là où j'habite, tu vois. J'habite ici. Ouais. Ok, c'est carré. Je me pose toujours ici, moi, pour fumer, tu vois, et tout ça. Ouais. Ça, c'est le petit bidon, tu vois. Là, il y a le petit qui se pose. Il y a le frérot, tu vois, lui c'est un grand rappeur aussi, tu vois. Gustavo, mon frère. Gustavo Gaviria. Gustavo Gaviria. Lui, il a pas commencé, mais dès qu'il commence, il va tout niquer, tu vois. Il y a un bon flow, voilà, il y a un bon flow. Tu vois, vous venez voir présenter un peu. Carrément, lui, ouais. Même lui, il peut te... Ça fait combien de temps que t'habites au quartier ici, toi, frérot? Oui, c'est un ancien. Depuis que je suis né, moi. Depuis que t'es né, ouais. Il est né ici, tu vois, d'un coup. Lui il connaît très bien, tu vois, le bail qui est ici, l'ambiance, tout, la situation et tout. La situation, clairement, c'est une petite chose, tu vois. Du coup, là, tu vois,
c'est un petit parc à côté de chez moi, tu vois, il y a toutes les petites. Du coup, moi, à chaque fois, je profite, je me balade un peu loin de ça pour fumer et tout, tu vois. Mais l'ambiance est toujours la même comme tous les quartiers, tous les barrios, hein, tu vois. Mais là, on va se balader un peu pour montrer. Vas-y, c'est carré. Tu vas, Isma, avec moi? C'est comment, il y a d'autres rappeurs ici au quartier? Ouais, il y en a plein de rappeurs, il y en a plein de rappeurs. Tu vois, il y en a qui se montre, il y en a qui se cache, tu vois, qu'est-ce que j'ai. Mais comme je dis, il y a plein de rappeurs, ça. Il y a plein de rappeurs, des petits, des grands, tu vois, des gens de ma génération, tu vois, qu'est-ce que j'ai. C'est juste que voilà, il y en a certains qui se voient plus, tu vois, que tu peux voir plus. Il y en a certains qui, voilà, tu peux pas le voir pour le temps, ou, comme mon pote aussi, fait des bons rap, tu vois, lui il fait des bons rap, il est pas, mais dès qu'il entre, comme je dis, ça va tout niquer, comme tous les rappeurs, tu vois, chacun rappeur il a son histoire, chacun rappeur a son bail. Hey, ça va le poteau, il y a la famille, ça dit quoi là, ça va, quoi, bien la famille, ça va, bien, hein, ouais. Ça va, bien, ça va bien, ça c'est un pote, toujours je crois, tu vois. Ça fait quoi, un petit coup là? Ah, c'est bien là. Ouais, c'est qui là derrière le 10, mais c'est qui? Ouais, le 10, ouais. C'est Zizou, non? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, tu connais. Non, c'est Zizou, wesh. Bon, vas-y, Mbappé et Zizou. Ouais, ça va, on fait la fouchon là. Là, on est où exactement? Pessac, c'est situé où là sur Bordeaux, le quartier? On est carrément à Sèche, tu vois. C'est Pessac, ça, c'est un peu tout la petite ville, tu vois. Et là, c'est Sèche, tu vois, c'est un quartier. Donc là, on est presque au milieu, là, tu vois. Il y a les bâtiments, c'est un bail comme tous les quartiers, tu vois. Là-bas, il y a des petits gens aussi. Au centre, il y a les anciens, plus les gens de ma génération, pour tout mélanger. Tu vois ce qu'il dit? Ouais. Voilà, comme tu dis, le quartier, même le drapeau l'Algérie, il y a là-bas encore. Ah oui, parce que. Aïe, aïe, aïe. Il y avait la Coupe d'Afrique là, il n'y a pas longtemps. On a gagné la CAN, on a tout niqué. C'était voilà. Le bordel ici ou quoi, ouais, après? C'est un peu le bordel. Voilà, tous les frérots, voilà, même s'ils ne sont pas rien, tu vois, ils sont défilés avec nous, ils ont fait le bordel, tu vois. Et voilà, puis, en tous les cas, tu vois, ils sont un peu contents, surtout, tu vois, là, sur l'Algérie, sur tout, carrément, voilà, surtout. Il a plus content de te voir, tu vois. Plus content de te voir. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas venu, voilà. C'est vrai ça. Je te vois bien, Réo. Et alors, tu clips où? Tu clips au quartier, toi, ou... Ouais, le 12e clip, je réfléchis à faire. Là. Oh, Angèle, dis bonjour à la caméra, wesh. Aïe, aïe, aïe. Donc, voilà, là, on est avec les poteaux, tu vois. Un peu. Et carré, là on est presque au milieu, là il y a, tu vois, il y a les tours, tu vois, qu'est-ce que je veux dire, c'est un peu, les tours c'est un peu, là-bas où j'habite c'est plus calmé, tu vois, les tours c'est un peu le bordel. Ah, c'est là où c'est le feu ici là. Là c'est le fuego là, tu vois, non, mais ça va, c'est bien, tu vois, des bons voisins partout, et tous les camps on se sent bien. On est au milieu, tu vois, un peu, là-bas il y a les gens petits, il y a un petit... petit stade de FIFA Street, un peu, ouais, pequeño stade de FIFA Street. Et après, aussi, il y a le centre social là-bas qui aide les gens qui galèrent des fois, tu vois, si tu galères, on appelle toi, tu vois, là-bas, il va voir quelqu'un responsable pour t'aider, tu vois, pour les gens nouveaux, pour les gens qui savent pas, tu vois, les petits pour l'aider pour des travails, tout ça, donc c'est un bon bail, tu vois. Organisé. Je sais pas si en Espagne t'as croisé ça un peu, non? Je sais pas, j'ai pas croisé fait attention si en Espagne il y en avait, mais je pense qu'il y a la même chose. Hein. Ouais, c'est presque un peu la même chose. Là. Jusque là-bas, il y a des différents quartiers, tu vois, c'est pas tous pareils. Ah, vois. C'est plus ghetto en Espagne. Ouais, quand même, c'est plus ghetto, ouais, c'est vrai. Et toi en Espagne, il était où ton quartier, toi, du coup? Mon quartier, il était à Villarroja. C'est un petit quartier, tu vois, qui est à côté des petits quartiers aussi. Mmh. Et après, il y a des autres quartiers, tu vois, mais. On va avoir le temps aussi pour que je te présente un peu là-bas. C'est quelques moments que j'allais en Espagne. Si je veux voir si je t'envoie l'application, tu vas me voir là-bas. Vas-y. Et donc là-bas, c'est bien aussi, tu vois. Là, les gens sont bien faits et tout. Et là, tu vois, il y a un peu le centre commercial, un peu le, tu vois, le stade. Ouais, là-bas, le petite baille, comme on dit. Le charbon. Ouais, le centre commercial, le charbon, comme on parlait, tu vois, une autre parole. Là-bas, il y a le centre social, tu vois, qui s'occupe des gens. Donc, c'est ça, qu'est-ce qu'il fait. On peut aller voir un peu au stade, là, si tu veux. Ouais, vas-y, les gens, on va y aller.
Il y a des petits, tu vois, toujours ils sont là avec le foot. Il y a des petits qui sont matrixés dans le foot, hein. Ah bon? La vie de ma mère, il y a des petits qui disent putain, lui il mérite de jouer dans l'Atletico là. Ils sont chauds ici à Pessac. Ouais, ils sont chauds, quoi. Les petits Mares, lui. Ah, lui, ouais. il est chaud. C'est qui le meilleur dans les petits là? Il est chaud, tu vois. Hein? C'est qui le meilleur petit là? Le meilleur petit? Ah, je sais pas quoi te dire, ils sont tous bons là. Ils sont tous bons. Regarde, lui, c'est mon voisin, lui, tu vois. Ah ouais? Le gardien. Casillas. Là, c'est mon pote Vada, frère. Ça va, Manon? Voilà, il a un peu, il y a les anciens, tu vois, à côté. Et c'est comme tous les quartiers, il y a des tout. Ouais, c'est ça. Là, on va aller là-bas, filmer un peu. Tu vois, on va aller là-bas, c'est où? Si je débute mon couplet avec Anita Mère, est-ce que mon son sera classé hardcore? Pourquoi des négros parlent de tirer si aucun d'eux maîtrise le corps à corps? 2019, j'ai pas dit mon dernier mot, je les baise encore et encore. Tu veux t'intégrer dans le gamin en pire, je te souhaite un bienvenue à bord. Tout est noir dans mon univers. Déjà mon gars, ça fait combien de temps que tu habites ici toi? Moi je suis là depuis 1998, hein, dès la naissance comme jamais. Depuis le début on est là frérot. On n'a jamais déménagé. Hein. Bah là ici on est à Sèche-Chambre-Noir à Pessac. Donc SF Squad, SFG comme on l'appelle. Et voilà, c'est un quartier où on a vu tout le monde grandir. Les grands comme les petits. Il n'y a rien à dire de plus. Hein. C'est Sèche, hein. Voilà, c'est ça. C'est comment ici? Je vois que vous avez un city stade, je vois que vous avez des trucs. Ça passe quoi là? Les après-midi quand ça galère, ça fait quoi du coup? Non, les après-midi, tu vois, en général, je pense comme chaque petit quartier, hein, ici, ils se postichent tous ensemble. Ça tape un foot, barbecue l'été, des choses comme ça, tu vois. Donc, en général, c'est là où tout le monde se regroupe, les petits comme les grands. Là-bas, en général, au city, c'est surtout les petits qui se regroupent. Donc, parfois, ils se regroupent tous ensemble pour jouer au foot, faire des choses comme ça, tu vois. Mais sinon, chaque génération n'est jamais bien loin. T'as les plus grands qui sont plus au centre commercial. T'as des gens de notre génération qui sont plus postichés ici sur la barrière. Et les petits sont plus souvent au city, tu vois. Et on n'est jamais bien loin l'un de l'autre. Et vas-y, chaque quartier, ça a ses talents un peu dans le sport, dans la musique et tout. Tu peux nous parler des mecs qu'il y a ici? Ouais, effectivement. Donc déjà, ici, on a un club de boxe, USAP Box, qui a formé beaucoup de champions, qui ont formé un boxeur qui boxe l'équipe de France, Samuel Kistoyuri, qui est 4 fois champion de France, derrière force à lui. Donc ils l'ont formé à ce club là-bas. On a aussi un petit chez nous qui s'appelle Alain Clément aussi, qui joue au Girondins de Bordeaux, qui est en CFA actuellement depuis des années, il est dans ce club. Donc il est en train d'évoluer pas mal aussi. Donc il y a beaucoup de talent en quelque sorte, que ce soit dans le rap, le foot, la boxe. On est Pessac, c'est bien répertorié, tu vois. On fait ça qu'on a un club de futsal aussi, il y a l'USCP à Sèche, il y a le club de la Châtaigneraie aussi, quartier voisin. Donc ça bouge très très bien ici en termes de loisirs, tout ça, ça bouge beaucoup ici. Il n'y a pas une marque de vêtements qui a été créée ici, non? Si, Street Fight, par le grand Nassim de la Châtaigneraie. Et voilà, en plus, carrément, j'ai le t-shirt là en dessous, mais vas-y, il fait froid, t'as capté. Mais ouais, non, c'est un bon frérot. Carrément, pour te dire, je savais même pas que ça venait de Pessac au début. C'est parce que je voyais des rappeurs comme Jul, Caris, Niska porter ça. Je voyais quelques petits ici en porter, mais j'aurais jamais cru que ça venait totalement de chez nous, en fait. J'ai toujours cru que c'était une marque parisienne ou vraiment 100% thaïlandais, tu vois. Mais après, quand j'ai appris que ça venait de Pessac, ça fait plaisir, tu vois. Ça fait vraiment plaisir, tu vois. On est partout, en fait. En tout cas, gros sens à lui, c'est un gros concept. Et voilà, il y a plein de gens qui soutiennent, que ce soit les artistes, quoi que ce soit. C'est du sale. C'est du sale. Pour revenir à la vidéo qu'on faisait avec CG7 là tout à l'heure, on parlait des mecs qui arrivent du bled ici et tout. À escaper ça, il y a des mecs qui arrivent d'ici, qui c'est dur l'intégration ou quoi, c'est comment? Moi après, pour te dire, moi je suis pas très souvent au quartier, tu vois. Mais après, en termes d'intégration, c'est pas trop difficile. Enfin après, c'est difficile au début, tu vois, quand tu viens, tu changes d'air. Tu vois des nouvelles têtes, surtout quand les gens au quartier ils sont habitués, ils habitent tous ensemble, ils se connaissent depuis petit et qu'ils voient une nouvelle tête, tu vois, ça pose toujours des questions, tu vois. Mais après, plus ils vont le voir, s'il est respectueux et tout, ça se passe tranquille, ils sont accueillants comme jamais et voilà, il est le bienvenu, tu vois, comme notamment le frérot C17, tu vois, lui c'est le cousin d'un frérot que j'ai connu au collège qui s'appelle Shélan, tu vois. Et voilà, tu vois, même lui, c'est un brave, il est là depuis pas très très longtemps et c'est la famille, hein. Tout le monde l'a bien accueilli au quartier,
il me donne la force, que tu vois, moi je suis dans la musique et lui aussi il est dans le rap espagnol, tu vois, donc ça fait un plus sur Pessac, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs, il y a beaucoup de styles différents, et lui il apporte son truc avec son rap espagnol, vraiment plaisir, ça vient de chez nous, c'est la maison, et ouais, nous on est là, on lui donne la force, et voilà, mais sinon après en termes d'intégration, c'est difficile au début, mais après vas-y, tu laisses une semaine et demie, deux semaines, ça passe crème, tu vois, surtout quand t'es jeune et tout, à l'école, tu vois, à force de se voir et tout, surtout, en général, les gens quand ils sont petits, ils deviennent très potes direct par les origines et tout, tu vois. Que ce soit un arabe ou un noir, un sénégalais ou quoi, tu vois, le feeling, il passe très vite, tu vois. Donc, c'est souvent les choses comme ça qui rapprochent, tu vois. Donc, c'est ce qui fait la solidarité dans les quartiers en général. Une dalle de bâtard, faut qu'on graille et fasse de la maille en speed. J'suis un putain de chat noir, j'ai l'écrou et un rat dans le beat. J'connais que des excités, des vislards et des businessmen qui rêvent que de bonheur et de richesse pour exorciser le mal. Alors, on est dans quel quartier exactement? Ben là, t'es Cours d'Isère, Bordeaux Centre. Voilà, entre Saint-Michel et la gare, et la Victoire. Voilà. Et du coup, t'habites ici depuis combien de temps, toi, en fait? Moi, depuis. Ça remonte à longtemps, en fait, j'ai été ailleurs, mais de base, je suis là depuis 90, 91. Ah, ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, le quartier il a bien changé, mais il y a toujours encore l'identité, tu vois, donc il y a plein de communautés. Côté afro, là nous on était côté un peu plus rebeu, portugais, espagnol, et plus on va remonter, plus ça va être côté afro, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Ok, bah je vais te laisser nous montrer un peu les endroits, ben voilà, les endroits ben là, du quartier. Voilà, c'est des bars un petit peu afro, là c'est un truc camerounais. Ici je sais plus, je crois que c'est plus ivoirien. Voilà. Après, voilà, t'as des trucs de. Des salons de coiffure afro, tu vois. Ouais, il y a un peu de tout. Ouais. On va dire un peu, ici, c'est un peu le petit château rouge bordelais, tu vois, ouais, ce que je veux dire. Le Barbès bordelais. Voilà, Barbès bordelais. Avec les capucins et tout qui est à côté, non? Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Jusqu'au bout là-bas, on va le voir. Mais ici, c'est un quartier un peu différent, du coup, c'est pas les gros bâtiments comme les cités et tout qu'on peut voir ailleurs sur Bordeaux. Ici, c'est plus. Exactement, exactement. Ouais. C'est que des 2-3 étages, il n'y a pas de tour. Après, voilà, ça n'empêche pas qu'il y a, tu vois, beaucoup de mixité. Il y a du trafic comme partout. Voilà, et c'est un des premiers quartiers où vraiment à Bordeaux il y a eu beaucoup d'immigration. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, ouais. Voilà. En premier c'était l'immigration espagnole, après c'était les portugais, après il y a eu les rebeux, et en dernier les renois. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. T'as capté? Et au bout c'est les capucins, c'est ça? Au bout c'est les capucins. Ouais, voilà. C'est vraiment collé en fait, hein. Ouais, c'est ça, c'est collé. Après, comme je te dis, le quartier il a vraiment changé. Avant, ici, c'était vraiment essentiellement des gens d'une classe sociale, on va dire, assez basse, tu vois. Mmh. Maintenant, c'est en train un peu de se boboiser parce que ben, c'est l'hypercentre et du coup, ils augmentent les loyers, ils expulsent un peu les gens pauvres. Et du coup, c'est en train un petit peu de changer. Mais il y a encore cette atmosphère, tu vois. Ouais, ouais, je vois le délire. Voilà. Et vas-y, ici, il y a une question que je me posais, franchement. Dis-moi. C'est quoi le meilleur grec du quartier, le meilleur kebab? Ah ben on va y aller, mais tu sais quoi, manque de peau, la vie de ma mère il est fermé, il est fermé un mois dans l'année le mec, ouais, ouais. Il est ouvert tous les jours, mais il y a un mois dans l'année où il est fermé, et là il est fermé, mais on va passer dedans. On va aller voir ça un petit peu. Voilà. Ouais. C'est vraiment le meilleur grec du quartier. Parce que ici, je vois, il y en a plein ici, il y en a plein. Il y en a plein, ouais. Des CFC, des HFC, il y a tout ici. À fond. Et là on a le coiffeur du quartier, tu vois, on a des rebeux. Et voilà quoi, ouais, c'est un quartier hyper cosmopolite, mais sans être. Tu vois, les gens ils se mélangent pas, tu vois, c'est renois, rebeu, truc. Nous on est les jeunes du quartier, on est les seuls qui se mélangeons un peu avec tout le monde, tu vois. Ouais, je vois le délire. T'as bien vu l'équipe là, il y a voilà, thaïlandais, français, rebeu, turc, on s'en bat les couilles. Ouais, t'as raison. Après, tu vois, les gens, c'est chacun son coin en fait. Et justement, tu clips au quartier souvent toi ou pas? Ouais, j'en ai fait. J'ai fait 3 clips au quartier. Ouais, non, 3 clips au quartier, il y a Soleil Noir. Soleil Noir 1, Soleil Noir 2. Et il y a eu quoi encore? Ouais, je crois que c'est tout. Hein. Soleil Noir 1, Soleil Noir 2 et Empreinte 3 aussi, je l'ai fait un peu au quartier. Ok, ça marche. Voilà. Là, je vois, c'est surtout. Parce que c'est surtout le soir ici que ça s'anime un peu, là, le quartier. Parce que je vois, on arrive. Mais en vrai, ici, ce quartier, après, c'est. Quand tu parles d'animation, c'est-à-dire où il y a du monde. Ouais, il y a du monde dehors. Ça ouais, commence à bouger. C'est à partir du soir, ouais. Tu sais, quand les gens, ils débauchent. Ben les gens ils viennent se détendre, ils viennent boire leur coup, tout ça, tu vois. Ouais.
Après, le week-end, c'est actif du samedi matin jusqu'au dimanche soir. Ok, je vois. Voilà. Pour ceux qui veulent voir, voilà les fameux HFC. On trouve un peu... Les mangeurs de poulet. Ouais. On pour les Renois, un peu partout. Hein. Ouais, il y en a gardé ici. Ici, ouais, surtout au Capucin. Ici, c'est le quartier des HFC, des CFC. Ici, il n'y a que ça. De ouf. Bah alors, le grec du quartier, c'est celui-là. Ouais. Tu vois, les tarifs, ils défient toute concurrence. C'est 5,50, grec, frites, boissons. Voilà, c'est chez Kuzman, on peut dire ça. Tu vois. El Malouf. C'est carré. Et voilà. Au Capucin, ou même au cours de l'Isère, il y a d'autres rappeurs ici ou quoi? Ouais, bah avec moi, il y en a deux, là, je vais te présenter après. Ouais. Et après, essentiellement, moi, je connais les gars autour de moi. Pour moi, c'est les seuls que je connais. Après, je sais qu'il y a des petits jeunes, mais ils sont pas forcément d'ici, tu vois. Ils sont arrivés il y a pas longtemps, donc on les connaît pas trop, en vrai. Il y a moi, il y a le groupe KBX, donc il y a deux membres qui sont là-bas. Et voilà, quoi. Ouais, on va aller voir ça, hein, de toute façon. Voilà, ça, c'est un des plus vieux bars du cours de l'hiver, tu vois. Ouais. Celui-là, je crois que c'est des Espagnols qui tiennent ça. Et voilà, hein. Après t'as vu là c'est la. En fait là c'est la barrière. On arrive à partir au Capucin, de là-bas, tu passes ouais, derrière, c'est Saint-Michel. Ouais, Saint-Michel. Et là, tu vois, c'est plus trop chez nous. On se connaît mais. Mais c'est plus le quartier. Voilà, c'est plus le quartier. Alors je vois le t-shirt West Coast là. Ouais, toujours. C'est quoi, c'est la West Coast du coup c'est. West Coast, ben c'est représentatif, ben j'ai voulu faire un mix de sud-ouest, tu vois, et vu qu'on est sur la côte ouest. Et vu que les gens ils nous considèrent comme des wesh parce qu'on rappe, qu'on traîne dans la rue, qu'on vit grave. Qu'on met des casquettes, qu'on est à moitié arabisé, tout ça, ben wesh cause. Ah, voilà, ouais, c'est le concept un petit peu. Voilà. Voilà, mais ça c'est le bar, t'as vu, c'est le bar ici où on se retrouvait tous à l'époque. Maintenant il a été fermé. Mais voilà, c'était le fief, c'est là que j'ai roulé, enfin que j'ai tourné le clip Soleil Noir. Soleil Noir 2 du coup. Et voilà, c'était le fief à l'époque. Voilà. Il a fermé pour quelle raison en fait? Bah les patrons, je sais pas, il y a eu des histoires, ils ont décidé de fermer, donc voilà, du coup ça n'existe plus maintenant. Mais c'était okay. Le bar du quartier ici. Ah ouais, je vois le délire. Voilà. De toute façon, de plus en plus ça ferme hein, dans les quartiers. Ouais. Je sais que dans le mien aussi, il y en a un qui a fermé là, il y a pas longtemps. Ouais. Ouais, ouais, à chaque fois ça fout un coup parce qu'il y a moins de monde dans la rue, tu vois. Après, ouais, c'est ça. Toujours ça. C'est ça. C'est ça. Du coup là-bas, il y a tes collègues un peu. Ouais, voilà, les poteaux. Du coup, vu qu'on ne peut plus squatter là, maintenant c'est à ce bar là qu'on squatte. Ouais. C'est un mec du quartier qui a ouvert le bar aussi, tu vois. Ça va. Donc, on a de quoi se poser, il y a de quoi teaser, il y a de quoi jouer au PMU. Ouais, à total quoi. Ouais, au calme. Hein. Voilà, donc là je présente Abed, Wahid, ça c'est vraiment un ancien du quartier, Kevin aussi, natif du quartier, Mika, Jalal, Giovanni qui est le cousin de Kevin et Menat. Ouais, voilà, c'est les poteaux. Ouais. Voilà. C'est comment, il y en a qui rappent un peu, non? Mon gars, ça rappe un petit peu, toi, du coup. Hein? Tu rappes un peu, toi, non? Ouais, vite fait, ouais. T'as sorti des trucs un petit peu sur... On a sorti à l'ancienne. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on a rien sorti. Vas-y, y a d'autres gars ici, là, par vous. Oui, ensemble, on rappe ensemble. Vous êtes combien dans le groupe, en fait, à la base? C'est comment? Ça fait longtemps, toi, t'es à cours de l'Isère? Moi, j'ai grandi ici. Moi, je suis un... C'est un quartier où, tu vois, il y a une différence entre les quartiers et les cités. Ici, tu es dans un quartier populaire où toute la masse d'Espagnols ils sont arrivés ici à l'époque de Franco. Tu sais, le dictateur. Ouais, ma famille, c'était la même chose. Voilà. Mais ils sont arrivés ici, tu vois, et en fait, bon là, ça a un peu changé, tu vois. Et avant, c'était que des bars espagnols, beaucoup de bars confirmés, des bars espagnols et une immigration portugaise. C'était vraiment un quartier espagnol, portugais. Et en face, tu avais Saint-Michel. Justement, Saint-Michel, c'était quartier maghrébin. Donc ici, c'était, ça fait tout le 33-800, tu vois. T'as la gare, c'est ça. Cours de l'Isère, Capucin. Et puis voilà, quoi. Et Saint-Michel. Moi, j'ai grandi ici après, tu vois. Et il y a un truc qui te fait vraiment kiffer dans ce quartier, toi, ou pas? Ben oui, c'est la chaleur humaine. C'est la chaleur humaine. C'est tout le monde se connaît, tu connais les commerçants. Les gens parlent bordelais, les gens parlent Bordeaux. Ils supportent l'équipe de Bordeaux. C'est notre vie ici, tu vois. Comme chez les autres à Barbès, à Paris, mais nous ici c'est pareil, tu vois, c'est des quartiers populaires où tout le monde se connaît, tu vois. Ouais, et puis au Capucin, du coup, c'est... Vu que c'est entre Saint-Michel et Cour d'Isère, c'est un peu la même chose, non, je pense? Ouais, c'est la même chose, c'est la même chose, ouais. C'est des quartiers populaires. Tout ça, en fait, c'est le 33-800. Ce qui caractérise le 33-800 des autres zones à Bordeaux, par exemple Pessac ou autre, ben, c'est qu'ici, il y a toujours eu plusieurs quartiers, tu vois. Saint-Michel, ouais, Cour de l'Isère et la gare. La gare, ils l'ont détruite, tu vois, il y avait une grosse cité à la gare, ils l'ont détruite.
Mais même chez nous, ça a changé maintenant. C'est plus le même quartier qu'avant. Ouais, il y a quoi qui a changé un petit peu? Ben à l'époque, tu venais au cours de l'Isère, dans chaque bar, tu avais une dizaine de jeunes. Ah ouais, ouais. Tu avais une dizaine de jeunes, tu vois, on se connaissait tous. Et c'était beau. Aujourd'hui, les gens, ils ont grandi, il y en a, ils ont fait des enfants. Après, il y a des jeunes qui n'ont pas forcément repris le barrio, voilà, tu vois, donc les gens font leur vie. Ouais, donc ouais. C'est ça le truc. Mais après, voilà, ça a perdu un peu de sa valeur parce que, après, c'est le maire de la ville, il a voulu vraiment rénover ces quartiers-là. Et ici, c'était un quartier qui était très chaud à l'époque parce que tu avais la pharmacie. La pharmacie 24-24 avait beaucoup de drogue, beaucoup de drogués, beaucoup de prostitution. Et c'était tellement, ça craignait tellement parce que les rues, elles étaient noires. Ouais, la ouais. pierre, elle était noire. Les éclairages, ils marchaient pas, qu'ils ont fait un commissariat. On vient juste de passer devant. Ils avaient fait un commissariat pour. Ici, ouais, ouais, voilà, tu vois. Pour justement réglementer et puis essayer de. Mais ça avait rien changé. Moi, j'allais petit, j'allais au collège, j'allais au lycée. Je voyais des camés qui étaient par terre. Ouais, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'était ça le quartier à l'époque. C'était pas forcément une bonne chose. Après, les commerçants, tout le monde se connaissait, tout le monde. Voilà, c'est quelque chose que plaisant à vivre, tu vois. Nous, on n'a pas grandi dans une cité, on n'a jamais eu la même mentalité que les mecs de cité. On s'entendait bien avec les mecs de cité, mais on avait vraiment une mentalité quartier, tu vois, c'est pas assez différent, tu vois. C'est différent. Plus de plaquettes de chitra sur. J'attendais le tram et le bras. Bus PMU dans les soupapes. T'es au camp et sous mon parc. On se tire la bourre, faire gonfler le corps. On est là pour. Plus rien ne va depuis que mes incons ont inventé la poudre. Bang 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 et puis ça yonara. Se partage le monde comme une tasse au Dallas. Qui pine leur mou, moi j'leur nique leur coup. Dites leur coups, on n'est pas sous Xanax. C'est temps qu'encaisser nous qu'on dégoûte. J'ai pécho mon flow en dehors de les Gucci. Père de Air Max remplaceront les Gucci. C'est pour mes frères d'armes qui tombent sur des coups de vie. La tête déboussolée, le flow est sous-cellé. Premier coup t'es sonné, bon flow est sous-cellé. Je les entends dans ma tête, y'a plusieurs voix qui arrêtent pas de se parler. Une qui me dit de pas me laisser canner, l'autre que m'arrache à deux doigts de se barrer. Les putes sont partis mais les potes sont bien là. Pas de son mieux, le mec rose va ses piano. Les histoires de printemps mangent pas de ce pain là. Je me suis branlé 5 ans, y'avait plus de sopalin. Rose frappe à la Franck Lampard. Des terres, je voulais foncer dans le tas. Tête pleine, le temps passé, je prends de l'âge. Le soir, ce que j'ai tué les 100 pas. Traîner la nuit, c'est pas rentable. Le type la boucle dès que les vrais hommes parlent. Trop de flow, j'ai de quoi les rendre barges. High kick, tu vois que je plaisante pas. Je dépasse mes limites, je représente une menace terrible. Là, faut que tu prennes de l'aspirine. Appelle-moi Skaz, John Fro ou Black Spirit. Hein. Ouais. Ici, c'est Acker Negro BL, ACK Gezé, c'est Curiné au chrome, tu connais. C'est pas parce que j'ai que du noir au pied que je ne peux pas terminer premier. Ça fait trop longtemps que je galère, demande à mes potos Giacomo et Jacta. J'ai un mélange du Tchad et de Guada, alors comment veux-tu que je m'étarde pas? Vas-y, mettez-moi sur le Teco, comme Anelka ou Atem Ben Arfa. Je connais mon talent sur n'importe quel BPM, les instrus, je les épargne pas. Je fais partie des fils d'immigrés qui se font matraquer par les keufs. Je fais partie de ceux à qui on essaye de la mettre dans les seufs. Hors de question d'être encore les victimes, on va changer le synopsis. Hier, ce que j'ai vécu, c'était tellement sombre. Demain, je mets des sunglasses. J'ai squatté partout, j'ai vécu dans une caravane avec ma mère et ma sœur. J'ai habité la campagne, j'étais seul contre ces rachots de flics et ces chasseurs. J'ai squatté partout, côtoyé des mecs pas très nets, vendu des queutrues pas très nettes. Quand je me suis retrouvé le cul sur la sellette, j'avais des idées pas très nettes. Aujourd'hui, je viens braquer la chance, il faut que je remplisse mon putain de livret A. Demain, si ça sent encore la sécheresse, il me faudra bien plus que du Nivea. Wesh, coast. Aïe aïe aïe, en direct de cours de l'Isère, c'est ça, hein, centre-ville de Bordeaux, yes. La Gézès, on est ensemble.